Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. PSTV pour toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que des conseils en communication. Veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Peuple du Congo avec K. Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020, 21 mars 2020. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud-Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud-Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. La Fédération Congo vous invite à Peuple Congo, du Royaume du Luango, de l'État du Niadi, de l'État de la Bouenza, de l'État de la Lekumu, de l'État de Pangala, à un recrutement du personnel destiné à la construction de notre nouveau pays. Les candidats postuleront selon leurs compétences dans les domaines d'activité suivants. Affaires étrangères. Justice. Défense. Intérieur. Finance. Budget. Planification de l'économie. Commerce. Santé. Énergie, mine et carburant. Éducation. Enseignement supérieur et recherche. Culture. Industrie. Agriculture. Pêche. Élevage. Eaux et forêts. Transport. Communication. Télécommunication. Habitat. Tourisme. Patrimoine. Cette liste est révisable selon les besoins à couvrir. Avançons tous ensemble pour la Fédération Congo. Beto Kwenda, Namatoala, Samu, la Fédération Congo, Yabé. 38 Avenue du Maréchal Foch, 78 400 Château. Adresse email luangosouverain@gmail.com. Et vous pouvez aussi envoyer aux adresses email Fédération Congo, NorthAmerica@gmail.com et Fédération Congo@gmail.com. Merci peuple de la Fédération Congo pour le nombre de signatures reçues à ce jour du 19 janvier 2022, qui équivaut à 28 005 signatures, qui sont vos votes pour la création de notre nouveau pays.
continuer à faire signer vos familles et amis pour joindre la RK. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Signez, signez, signez. Avançons, avançons, avançons vers la victoire. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive l'unité du Sud Congo. Avançons, avançons, avançons vers la victoire. The World Truck International Show. We hear it, and then we talk about the yacht. Mama mandoki di vumla ya ye. Mandoki makola la te le lo, makola la te. Mandoki makola la te, makola la te, makola la te, makola la te. Me wana le te le mazono. Onyukikari. Ah, tata. Boko abatele ko. Kwa ba tele vala vayaya, kwa ba tele. Mbe muntu o, kwa yoyi na kaniniko, wana tele chimoni kwa kukariri. Tabi lumbu binta tarilanta utula kutu, naka mbembo, naka eka. Baba kwa rayika ko. Kubaka nsamu ni yani ta wubulubachi, yo, je veux parler à la communauté internationale, kwa abu abu.
Samo wa jimbaka na kwa. Hey, chombe le mwana bashiriko. Ah, nchimumpi. Ah, heka. Donc, tata ntumi. Olo take. Tome no kwa katako. Kampiko. O zungu na kwa kelo kwa kwa wiri kiri bima biyo. Wabu ntele nsangu zaka bakiri. Donc, on va dire bonjour comme d'habitude ici. Je suis en retard, mais le mouti c'est le week-end. Moi, quoi le zébi. Le mouti c'est le week-end. Donc, chez moi, copa fait nakuo. Moi, l'ongwila. Bungo ba zonge la kansamu. Kengi ya manga pele. Bungo ba zonge la kansamu. Moi, moi, te manga pele. Moi, mamba. Moi, copa manga pele. Chalo voulu kumona, mais ah. Moi, copa manga pele. Moi, june kwenye wa. Moi, tanga wise. Mon compagnon yoka chukwe yoka boli sa chibala bangu babi neno kompe ah nene kote bala ba ya ya samu mbye boulou bitu toi kou vrai toi c'est à dire appuie ton dieu renverse waouh c'est à dire que y a pas de pitié pour les canards boiteux ici nous allons pas les pitié les ici vraiment rien faut les taguer on les taguait déjà. Ils ne vont pas tomber. Des brasistes et tout ce monde-là. On va vous rendre infiniment petit ce soir. On va vous faire comprendre ici que ce que vous faites a commencé bien avant même que nous on soit arrivé ici. On va vous apprendre ce qui se passe là. Pourquoi il bug là. Ah ouais, c'est les manipulations que je suis en train de faire ici. Oh, arrête. Ça dit que vous êtes infiniment petit. Infiniment petit, baba. Infiniment petit. On va commencer déjà. Ça sort comme ça sort. Laisse-le-moi, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Laisse-le-moi, ça sort comme ça sort. Ça sort. Ça sort, ok. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Donc, Irène Milando, comment vas-tu là-bas? Pourquoi va-t-elle? Et toi, quoi, toi? Austin et Kan, Brel Pouki. Bonsoir à toi, Brel Pouki. Hervé Kinkala, Nimbotezeto, peuple Congo, Nimbotezeto. Pas de communication. J'ai ma plare. Bonsoir à toi. Comment vas-tu là-bas? Ah oui, comme d'hab, hein? Ça sort comme ça sort. Et Bimakayango Moko, Bandokikuna, oh là là, les sorciers sont aux aguets. Bayini Mbote, Mbote, Bayini. Oba le Mokunzolo, Nimbote Zen, Oko, Nimbote Zen, Oboaba Tele. Ah, Bouchele, Menjiranan Sangu. J'ai tant que Chine, donc, vous voyez à quoi on voulait, j'ai une noca. Vous voyez le zolo, on voulait. Batamane mounzove. Vous voyez le tombe, vous voyez le mvula. Bakaba douche moi, toute cantine. Imam, bébé, comme ça, moi, ça bon, gamme, mvula. On a montu, parce que là, vous n'avez pas de zarla, la mamba mvula. Baka téléka, ba téléka, mou. Nuinini mbaka yebela ba yebela mo baka ni mo ba yebela ba la ba fiyoti mamba mamvula utiliza sasa jingi se nakaka kunchantoto makota nakaka ni mamu kweani mwa tundunda jiji tukwe kaba nkaka uncha buri monaka buri muntama ba one mpashi mke bonge bido donc ndunda zeko beri kelaka donc ba batika mukunazo ushu. Vous là je puisais, hein. Vous là c'est quoi donc Baoul, il est là quoi Bakwenda, quand vous êtes là ma chichi. Mamba donc, Bobby, on est gouna. Baoul agriculture, il y a pas zaba, Samu il y a pas zaba.
Ah, on te écoute ton climat, mais il va t'aider et bim. Climat. Voulait être comme moi, au bout de la bingo, bingola, na bia bien. Nabi boulot, bio, 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 côté le con, ça m'y a basable. Hein? Bah, je t'appelle moi, ne boumoupe, tu coulompe carne pour mourir en zen. Ah, pour gâter en zen, bob, ça, tu côté le gâter en zen, beaucoup gâter en zen. Moi, tu boulas bas. Ne vous t'accotez que t'es comme un télé boca. Men kunje, concote, men kunje, meni moite, meni kai, kabou kabou. Azons, vous bien samu, kabazevian. Voyez, kotako, un chisanda donc, du mauvais coquet, dès que vous n'avez pas de pantalon. C'est-à-dire, quand tu regardes les photos de la sape là, tu vas voir tous les âges qui sont passés par ici, les gros pantalons, les gros machins. Et puis, c'est ça la même chose qui revient. Parenthèse, quoi, belle, mouguerani ou ambote. Marcel Bukambu, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Kiamboté. Delphin, bonsoir. Francis Matoko. Un can, j'ai oublié personne. Bon, Mokaba Kwabeko. Faut faire taguer les Ntoumi là déjà. Faut les taguer. Tombe le Bantoumi, ko. Tombe le Bantoumi. Tombe le Bantoumi. Bobe Koko Ronsoni. Pourquoi Chikrita t'a dit? Moi, tout titre, ça quoi le moins, comme d'habitude, c'est des titres ndouages. Ndouages, ndouages, quoi, beko, kumaku, ndouages, quoi, ou l'inba. Samomier, Nivose, Nivose. Fédération Congo, un scandale géologique en ressources et matières premières. Notre fédération, Justice Lead, la même mise sur les matières. Sur les ressources matières, sur les ressources naturelles des Congo. Le rôle caché du pasteur Ntoumi, convoyeur des ressources et matières premières de l'état de Mpangala. Nous terminerons avec la vidéo d'Alain Foucault pour faire la conclusion de tout ce que nous allons dire ici. Et ensuite, le micro sera ouvert. Nous sommes samedi aujourd'hui. Vraiment, easy, il y a ma colère V. On est là. Hein? Samedi quoi, tchè. Donc, faut pas aller chercher. Je vais aller en boîte. J'ai commencé tard exprès. Parce que le samedi, il faut faire le mingou, il faut faire le terrain, tout. Il faut il faut que on va tous les yebeler ici, un à un. À plus tendu renversé. Comme tout à la carte, un intalable. Un Jacoupoya. Certifié. Donc, c'est de ça que nous allons parler ici. Pour les taguer, Barbanzoni et les Mathurins, parce que nous allons rentrer beaucoup dans l'histoire aujourd'hui. Nous allons ouvrir la lanterne de tout le monde. Parce que souvent, quand on fait des publicités ici, on dit ici, pour la protection de nos ressources, de matières premières. Quand on parle de ça en français, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, hein, ressources, matières premières, donc c'est pas encore entré dedans, compris la quintessence de ce truc-là qui est lié directement à notre vie, que ce soit à l'étranger ou à l'extérieur, qui est lié intimement aux vies aussi étrangères. Ok, excusez-moi. Vous voyez? Donc, il faut la zaba matière première d'intimité. Ah, mais bien, quand c'est le cas, il faut la kota. T'es qu'on a moi à tout bio. Ngati, il faut que j'ai une matière première. J'ai une tente, c'est comme moi, intime à mien. Ngati, la bakula, la zaba. Hé! Maman. Donc, bo, wansam, wentumi, wa, batalu, tela, l'mouti, ta kuna sentiment ko, oh, yandi bouke wa beto, oh, yandi, parce que samu, oh, kwa mzonze ko, samu yandi wa beto, kusande bo wa beto, na ba beto, na ba beto, ni miyemi tu wondako. Donc, samu mita, samu miya bimvwama, samu miya nchishin, samu miya ngolo. Nabi jija, nabi abian soni, nabi tono. Bakamia kwa bazebi, bamina chimfi, bakamia bazebi, bunkuta, bakamia batomlo zaba, bakamu ndeko sokwa bakomia wiri.
Donc ça moi bim vwama wa beto toka zonzi la ngati lo miazapi. Bim vwama ninchi. Kwebi tu kaka, hanchi birana ka, ebi mbumbulu biyobi ya kutakumu, mpeve za mbizo za kutakumu. Kanchan samu batu gwonde lako, ori nitu za beto, nibi mvuama biyo, tayulu waka sata, mvuama biyawo. Buni fola bakula, hancha bi mvuama bina bazonji la ken. Dome mu nkwe zonze kwa anibo putu kwa putu sakara, ulu mputu nkwe zonze le, nkwe jiki mpeba laba, diambo mu mzuri ya beto. Ça comprend pas la baye. Nada, menawa. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver dans l'émission, j'ai assez présenté un peu le topic de ce qui se passe ici. Nous publions, nous parlons de tout ce qui est attrait, qui est censé être oublié face à l'histoire des Congos. Pour ceux qui connaissent pas les Congos sont ceux-là qu'on appelle l'actuel Congo avec C, qui est une usurpation déjà du nom. C'est grave ça. Et qui a fait la comparaison avec ceux qui ne sont pas Congo aujourd'hui, qui sont maintenant attachés à notre histoire. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire, ils ne s'arrêtent pas à s'accrocher à notre histoire à partir de 58. Peut-être vers 45 pendant la guerre mondiale. Parce qu'il ne faut pas oublier, avant qu'on puisse proclamer vos affaires là, il y avait une guerre mondiale de 45. Hein? Cette guerre mondiale a eu besoin de ressources aussi. Notamment, les pneus qu'on fabriquait avec les caoutchoucs, il y a eu le travail de caoutchouc là-bas pour les chars et tout ça, les tanks et tout ça, les voitures de combat. Jusqu'à présent, nous avons encore des mamans qui sont en vie, qui ont travaillé pour le caoutchouc. Donc, quand on parle de la guerre mondiale, là, quand on parle de 45, 14, 18, première, deuxième guerre mondiale, sachez que nous tous, nous sommes concernés là-dedans. Nous étions là, en tant que combattants, en tant que fournisseurs de matières premières. Les machines n'étaient pas là. Donc, tout ça, c'est bien documenté dans les archives que vous n'avez pas regardées, que vous ne voulez pas regarder, que vous voulez fermer les yeux, que vous sortez de je ne sais où, vous pensez que chez Congo, la vie a commencé à partir de 58. Donc, il y aura beaucoup d'histoires et il y aura beaucoup d'actualités d'aujourd'hui qui pilule sur Internet, qui est similaire, qui est juste une recouche, une ristourne de ce qui s'était passé avant qui revient aujourd'hui, qui nous mine. Les conséquences du passé. On dit en français, les conséquences éduquent mieux que les conseils. Mais apparemment, les conséquences de nos jours rendent plus idiots que les conseils. Plus tu as des conséquences, plus tu deviens idiot. Donc c'est un peu ça, nous allons parler de tout ça. Ensuite, nous allons mixer le tout pour faire une conclusion avec une vidéo d'Alain Foucault. Vous allez peut-être commenter de temps en temps. Et notamment, le micro sera ouvert. Et sans oublier que nous allons fracasser. Nous sommes dans la série de la fracatation. Mais jusqu'à présent, parce que bon, ça, c'est un samouan, ta, qu'on est bacana franc. Voir le zeb, ça sort comme ça sort. Wow, doukri, doukri. Donc, télé non tumi, que kuba meko, parce que, wa quoi, n'a pas télé, bon, quoi, bah, kotako, bah, kotan, samou, ou, abete, waou. De kani manga langage, bah, ta quoi, c'est comme une pédikechi, que j'ka bebo. L'oshilo. L'oshilo, quoi, t'as vrai, l'oshilo. L'oshilo, quoi, t'oshilo, samou, l'oshilo, quoi. Nous avons dit que nous sommes dans la justice, justice lead. Donc, dans cette justice-là, toutes les cartes sont ouvertes. Hein? Ouvert, on dit une carte, voilà, ouverte. Hein? Donc, en d'autres termes, ceux qui doivent faire la prison pour 3 ans, 4 ans, feront la prison. Hein? Ceux-là aussi, qui doivent faire toute la vie en prison,
feront toute la vie en prison. Ceux-là aussi qui doivent mériter la peine de mort auront la peine de mort. Donc, nous invitons à tous ceux-là qui sont Congo de signer la pétition. Parce que il n'y aura pas d'autre alternative. Ceux qui ne sont pas dans la fédération sont contre nous. Et nous avons le droit, nous, d'argumenter de cette façon parce que nous en avons les preuves. Dans ce soir, nous allons encore établir la preuve vivante depuis les années 1875, à peu près le temps qu'on a commencé à exploiter les minéraux précisément dans le Niadi. Avant qu'on puisse commencer à nous parler des usines, là. N'est-ce pas? Et dans une ressource dont on parle souvent, cette ressource-là est censée, soi-disant, nourrir les Congos. Cette ressource qui est le pétrole. C'est la seule dont on fait allusion. Sachant qu'il y a le bois qui continue à se faire vendre là-bas, sur nos terres, s'il vous plaît. Hein? La prospection de l'or, le diamant, le fer, le cobalt, le coltan. Tout ça, à l'insu des Congos. Sans compter la même souffrance qui s'est prolongée à l'Hexagone. Ou avec les traités. Et avec les accords de Matignon qui ont été signés, qui sont en vigueur, nous allons passer par là tout à l'heure aussi. Où les Congos, aujourd'hui, souffrent pour être documentés sur ce territoire, alors que les accords en disent long et les accords disent autant. Et notamment, l'article affilié à ces accords, qui est l'article 78 des minéraux. Et des matières premières, qui dit à la fin, au sein de la commune. Je vais la lire tout à l'heure. Rien que ça, aucun Congo devait galérer. Bien de nous y vient. Donc, le sujet sera très très vaste ce soir et très dense. À quoi bien. Ou le côté-là. Nat Kambisi, bonsoir à toi, bonsoir. Source de conseils de vie, bonsoir. Maman de la ligne Boteza, ni toi quoi. Joseph Pébé, Madouma Lusafi, bonsoir à toi. Henri Olivier Ngambou, Moussitou, bonsoir. L'œil de l'aigle, toujours. Le lynx, toi. Hébert Inyangi, bonsoir. Donc, moi, Zoukou, tu tina, ma zone, ya ta boulikilia, ya ta zaoutou kota, de 22h32, nous allons commencer, on écoute une petite musique. Ambebula ukiwandele Lembe kantimani Ambebula
didi mbe ninge mpe nikwe banzi mumalonde nikwe didi mbe ninge mpe nikwe banzi zavati tombori malelele kange wengele mtumia lembo zavati tombori malelele kange wengele mtumia lembo zavati tombori malelele kana nikubwa nisambiala amwa tumu mabandani. Zoba Casimir Zao ah Samomie Habika Balabaya Gunabu. Bon week-end chez vous les gens. Ah Fouemina Nienti mani wa outa Fouemina Oube Samoulou Zoloqua Nani Yula Mie Nani Kiela Mie Nyamona Mwame Soukina Bouti. Quand tu exerces une bonne zague, tu vas battre. Battre la go. On est ensemble, il peut boire. Lembe Kantimani, ambebula uki wandele. Lembe Kantimani, ambebula ukele. Mumalonde ni kwe didi, mbeninge pe ni kwe bandi. Mumalonde ni kwe didi. Notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud-Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud-Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Peuple Congo, merci pour le support de l'USK.
pour solidifier la formation de l'État fédéral du Sud-Congo, commandez votre drapeau de 58,77€. Pour soutenir l'unité du Sud-Congo, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. The World Truck International Show. We hear it, and then no copy. We jump on the yacht. We hear it. Yalla. And then no copy. Connectez-vous. Oh, mama, kuma kuvura mimba. We hear it. Connect. Knock check, on est le Kaboul déjà parce que Betke Boula. Nous allons atteindre, toucher beaucoup de sujets ici. Nous allons notamment toucher aussi l'économie. Et donc, on va essayer d'être un peu plus instructif ici, là. Pas trop. Mais on va comprendre c'est quoi les matières premières. Vous avez été au courant que souvent dans nos publicités, même encore, protéger nos ressources, nos matières premières et tout ça. On n'a jamais compris ici pourquoi. Voilà pourquoi, au grand titre ici, nous avons proposé cette belle affiche, cette illustration, toujours dans la justice libre. La Fédération Congo, un scandale géologique en ressources et matières premières. Ah oui. Ah, on ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. C'est-à-dire que nous sommes assis sur, comme on dit, le jardin de Dieu. Il n'y a aucune place, aucune terre qui existe sur le territoire Congo qui ne contient aucune richesse. Vous comprenez ça? Après les années 58, il y a eu des études qui ont été. Donc, quand les années 58 sont passées, vous avez vu que, à un moment donné, l'entité C, donc le Congo Brazzaville, qu'on appelle ça, avait basculé du côté russe. Donc, ce n'était plus la République du Congo, c'était devenu la République populaire du Congo. Les Russes et les Chinois. Donc, à l'époque, c'était Mao Tse-tung et puis Lénine, je crois, si je ne me trompe pas, sur les archives. Donc, le Congo avait basculé du côté des Soviets et des Chinois. Donc, c'était pendant le règne aussi de Massamba Déba, où il avait prôné le socialiste bantou. Mais beaucoup de gens n'ont pas vraiment suivi. C'était quoi? Parce que moi, je me suis documenté sur le courant politique de chaque mouvement. Vous comprenez ça? Chaque mouvement, ou même chaque individu qui était au sein d'un parti, avait des idées et c'était qui formait un courant politique comme le marxisme-léninisme. Mais curieusement, quand je regarde, une petite parenthèse, tout ce monde-là qui sont dans le PCT, aucun d'eux n'a un courant politique à part le courant criminel.
Résultat de tout, nous sommes entourés des idiots. Bref. Donc, il y a eu des études qui ont été faites à cette époque-là, pendant la période de la République populaire du Congo. Une fille bien appliquée. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je pense que ce n'est pas la première fois que je montre ça ici. Nous allons projeter cette image ici. Voilà. C'est où déjà? Voilà. Donc, vous avez là, ici, nous allons aller monter ça plus loin, on va vous montrer tout ça. Voilà. C'est beaucoup de pages de lecture. Comme vous pouvez le constater ici, c'est beaucoup de pages. Nous allons zoomer. Zoomer. Hein. Sensible, c'est on y va. Voilà, on va lire quelques quatre paragraphes parce que je pourrais pas vous lire ça, mais le document est public, hein, très public. Donc, vous avez ici zoomé, on va zoomer ici. République populaire du Congo, ministère des mines et de l'énergie, secrétariat général du ministère des mines et de l'énergie. Donc nous, on a les documents des mines et de l'énergie hein, depuis longtemps là-bas. Parce que vous avez sous-estimé ça là-bas. Hein? On a ça, on a lu ça bien bien. Plan minéral de la République du Congo, en d'autres termes, plan minéral de la Fédération Congo, volume 1, s'il vous plaît. Hein, messieurs, dames. Hein? République populaire du Congo, ministère des Mines et de l'Énergie, secrétariat général du ministère des Mines, plan minéral de la République du Congo, volume 1. Hein? Bureau des recherches géologiques et minières. Hein? Voilà. Donc, je vais vous la faire court. Nous allons aller directement à la page 28. Hein? Page 28, s'il vous plaît. Hein? Vous êtes ici. Quand on parle ici d'une topographie cardiologique, on parle de la géologie. On fait l'étendue territoriale, c'est-à-dire tout ce qui s'y trouve, même le nombre des habitants, surtout les matières premières et les mines et même les... C'est-à-dire que tout. Hein? On vous donne d'abord à quel moment ici la carte topographique géologique a commencé l'époque de prospecter pour la commodité. Je vais encore zoomer un peu ici. On lise un peu vite fait. Voilà. Donc, pour la commodité de l'exposé, nous distinguerons plusieurs périodes dans l'évolution de la connaissance de la géologie de la République populaire du Congo. L'époque des précurseurs, la période entre les deux guerres mondiales, s'il vous plaît, écoutez bien, hein, faut pas penser qu'on n'était pas à la guerre mondiale. Hein. La période de la carte géologique de reconnaissance. La période après les indépendances. Messieurs, dames. L'époque précurseur. Écoutez bien. 1875 à 1914. Donc, ne pensez pas que nous, on a commencé à exister après les guerres mondiales, les indépendances. Là. Pendant les 40 premières années qui suivent l'arrivée de Pierre Savorien de Brazza au Congo, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, les écrits et publications sont nombreux. Les premières études sont dues à Pechnel, l'Ouest, je ne sais pas qui c'est, en 1876. Là, on parle ici, hein, sur les terres congolaises. Hein, monsieur, dame, mais arrivez bien avant.
et 1886. Professeur à l'université de l'ENA, qui donne la première étude avec carte de la partie occidentale du pays. Cet explorateur allemand, distingué déjà sous les formations sédimentaires, ressent plusieurs groupes. Un groupe sur calcaire, hein, vous connaissez le calcaire, un groupe de, je sais pas, cristallin, donc les rochers, tout ça là, tout ce qui est diamant, tout ça. Groupe de roches granitiques réputées ariérennes. Ça, c'est ce qui est déjà chez vous. Dans son côté de Brousseau publié en 1880, dans ces deux personnes qui avaient fait des prospections là-bas, chacun avait publié là-bas. En 1886, une esquisse géologique du Congo et du Gabon, plus de Denzelville, présente avec Toulon, une première carte environ de Brazzaville. Monsieur Barra, 1894-1895, nous transmet les premiers comptes rendus de reconnaissance générale. Hein? De reconnaissance générale. Donc, reconnaissance, repérer les endroits, faire la carte, tel endroit, il y a telle chose, tel endroit, il y a telle chose. Général, à grande échelle, s'il vous plaît, et nous livre le premier travail de synthèse sur la géologie du Congo français. On précise. J. Cornet, professeur de l'école de l'ENA de Mans, Belgique, s'attache plus spécialement au Niari, donc au Niadi, et publie en 1895 Ben Bacha Niadi Ben Kouwa, Ben Bezabave, Yiki Kevouandi Kuna, Yiki Basala Kuna, Ben Zab Histoire, Ben V, Kaka, voilà, Ben Kouwa bien. Spécialement au Niari et publié en 1895 dans une revue géographique de Bruxelles. Les travaux se poursuivent à H. Arzondo, s'intéresse plus particulièrement aux différents granites. Vébrin parcourt le Mayombe et le bassin du Niadi. Le Bouledin reconnaît en 1909 l'itinéraire Luango-Franceville. Après cette période, que l'on peut qualifier comme celle des pionniers, qui fut celle d'une très large reconnaissance, large enquête. Reconnaissance, là, c'est beaucoup d'intervenants. Un premier arrêt consécutif à la Première Guerre mondiale. L'époque entre les deux guerres mondiales, 1920-1940. Les rapports et les publications sont également très nombreux pendant cette deuxième période où les activités des géologues sont parfaitement coordonnées par la mission permanente de recherche géologique du gouvernement général de la RF, créée en 1908. On parle ici des minéraux. Hein? Là, nous sommes à la page 23. On va aller à 28. 28. Vous voyez? Tout notre territoire Congo, c'est là où les Mbochi disent, c'est chez eux. C'est chez nous ici. La preuve est là. La preuve est là. On va venir raconter des conneries ici. On a toutes les preuves, hein? Pas rigoler. Donc, 28. La période avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'époque précoloniale, les traces d'anciennes activités minières sont de faible importance et concernent pratiquement deux métaux. Le cuivre, qui fait l'objet de petits travaux dans le Niari, hein, le Niadi aujourd'hui, sur des petites reconcentrations superficielles de minéraux oxydés. Attention, la terre de Niari, là, il n'y a pas de mal de minéraux là-bas. Toute la terre, bénie de Dieu. Le fer dont les minéraux de surface étaient connus depuis fort longtemps par les populations locales.
qu'ils recherchaient pour leurs usages en creusant des puits qu'elles approfondissaient progressivement. On relève des traces de telles activités. Donc, c'est pas comme si on ne connaissait rien. C'est pas du jour au lendemain, on vient à la colonisation, oh, les gens sont devenus bêtes. Non, 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 non. Écoutez bien. Écoutez bien la partie-là. Approfondissez. On relève des traces de telles activités dans les régions de Zanaga, dans le massif du Chahut. L'or, par contre, semble avoir été délaissé totalement, l'or, hein, parce qu'on a de l'or là-bas, délaissé totalement par les populations de l'Afrique équatoriale. Contrairement à ce qui se passait en Afrique occidentale. C'était à l'époque où vous voyez les rois là-bas, il y avait des tonnes, le roi Bianze qui avait de l'or et tout ça. Nous, on avait plus négligé ça. Où l'or rendit célèbre et envié les anciens empires, dont celui du Mali, avec le fameux roi qui partit au 5e siècle en pèlerinage à la Mecque avec un stock d'or estimé à 8 tonnes. Dès leur arrivée, les Européens s'intéressaient aux possibilités minières du pays et en particulier à celle du Niari qui renferme les mines de cuivre. Hein? Ainsi, en 1879, lors de son premier voyage, de pénétration vers le pôle, donc Mpangala, Pierre Savaraza note la présence des mines du capitaine Pleneur et par M. Dupont, directeur du muséum. Donc, je vous la fais court ici. C'est ça qui tue les gens là-bas. Et là, on ne vous parle pas d'embaucher, s'il vous plaît. Hein? Nous allons continuer ici. Quand vous allez dans les accords de Matignon, hein? On va aller trouver ces accords-là. Où sont-elles? Où sont-elles? On va aller dans les accords de Matignon. Accord de Matignon. Il y a une ici qui est très intéressante, qui est encore en vigueur jusqu'à ce qu'on se parle que nous avons mis fin. Mais vous devrez connaître ces accords, qui est une clause de contrat qui stipule dans les articles 79 qui se trouvent dans la Constitution de la 5e République en vigueur maintenant, où on parle de la communauté. Vous voyez, c'est Youlou qui a signé. Nous allons aller voir directement cette clause-là, le 78, qui stipule dans les affaires. Continue à... Voilà, nous allons prendre ceci. Voilà. Golde Makam. Ici, la Constitution, les articles qui sont stipulés dans les accords de la Constitution française, notamment l'article 78, qui est relié aux ressources, aux matières premières. Il est dit ici, le domaine de la compétence de la communauté. Donc, y compris nous dedans. Le domaine de la compétence de la communauté comprend la politique étrangère, la défense. Dans la défense, dans les clauses, il était dit que si le Congo avait un problème, eux, ils intervenaient. Donc, on ne devait même pas voir les guerres dans le pool, dans Mpangala. C'est bien marqué ici. La monnaie, donc le franc CFA, la politique économique et financière commune, ainsi que la politique des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier,
le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et de télécommunications. Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou règles tout transfert de compétences de la communauté de l'un des membres. Donc, avec ces accords économiques-là, est-ce que c'est normal que déjà les Congo puissent souffrir ici-là? Ça, c'est ce qui est en vigueur. Maintenant, après avoir causé tout ça là, qui est dans la communauté, vous pouvez voir ici, on a parlé ici de politique économique. Hein? Dans les années 58, on va dire 65, était au pouvoir. Alphonse Massamba Déba était au pouvoir. Donc, c'était les années de la pseudo-dépendance. Hein? Il fallait dépénaliser le pays et tout ça. Hier, vous avez vu l'entreprise Bralico. Hein? Bralico. Nous arrivons vers Ndoumi là-bas. Il est de beaucoup dedans. Beaucoup dedans. L'entreprise Bralico. Celle qui est en feu, là. Hein? Bralico. On ne retrouve plus. Bralico qui est le Congo. Bralico Congo. Hein? L'entreprise, la fameuse entreprise Bralico Congo qui brûle. Vend la boisson aux gens. Cette entreprise qui a brûlé là, je vous ai montré hier, où on dit une entreprise congolaise. Celle-là. Hmm? Chimouni Mayela. Chimouni Mayela. Vous voyez? Le problème ici, c'est une entreprise française. Les dividendes qui est censé être payé, vous savez, ça va chez qui? Ça va chez Mathurin et sa famille. Mais les matières premières qui... Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des prospections géologiques là-bas qu'on a cachées aux Africains. Mathurin, que vous voyez là, il a la carte géologique des Congo. Il sait tout ce qui est dedans, tout ce qui est là-bas. Il n'y a aucune place de terre là où nous sommes, assis là, qui puisse manquer, qui n'est pas de richesse. C'est le jardin de Den. Altawa. Quand vous cherchez le jardin de Den, c'est là-bas. Là-bas, en ce qui concerne les richesses au niveau spirituel, pas là, bébo. C'est-à-dire que, hein, gâté au niveau spirituel, gâté au niveau physique, gâté au niveau matériel, richesse. Ça veut dire que les richesses qui est là-bas, qui sont là-bas, nous, on peut vivre. Les étrangers peuvent prendre aussi. On peut faire des... Il n'y aura personne qui... Tout le monde sera gagnant-gagnant. Vous comprenez ça? Ceux qui auront besoin de cette publication, parce que c'est beaucoup de pages, on a tout lu, les recherches minières, et jusqu'à ce que les jacques-terres qui a été prospecté, jusqu'à Njinji là-bas. Parce que les Njinji, vous qui ne le savez pas, hein, parce que Njinji là-bas, je vois des gens ici, des analphabètes qui viennent nous parler. On a le pétrole, on a le pétrole, on a le pétrole. Njinji là, attention. Je vous dis que toute la Fédération Congo est un scandale géologique. Attention. Il ne faut pas les voir. Ils ne sont pas fous là. Mathurin n'est pas fou. Jusqu'au nord là-bas. Là où sont nos terres là-bas. C'est un scandale géologique. Donc, qu'est-ce que Massamba Déba avait dit? C'est une référence que j'ai eu à prendre face à cette entreprise française. Massamba Déba au sorti, parce que ça faisait combien d'années depuis qu'ils avaient proclamé cette indépendance en 1965, Massamba Déba était là
5 ans déjà, ça faisait 3 ans, 4 ans qu'il était président déjà. Mais on écoute ce qu'il disait. Donc je vois que l'image là, ils veulent me couper ça, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, je le sens ici. Mais vous avez un peu compris ce qui se dit derrière là. Hein? Donc les unes même que vous avez vues là-bas, c'est pas chez nous là-bas. Ça nous appartient pas. Et donc les ressources qui ont été commencées à être prélevées depuis les années 20, 1800, surtout qu'on avait la main d'œuvre et tout ce qui va avec. Vous voyez? Donc, ça touche l'économie déjà. Donc, s'il faut commencer aujourd'hui à calculer tout ça, ça fait des centaines, des centaines, des centaines, des centaines. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a, moi, la grande qui me dit, au niveau des caoutchoucs, kouezo, beaucoup n'ont pas été indemnisés. Les Congos. Quand ils parlent de la pénétration, de machin, ils avaient déjà fait des cartes. Maturin est infiniment petit face à notre histoire, nous, les Congos. Beaucoup, j'entends par-ci, par-là, et d'ailleurs même, c'est le narratif qu'on entend par-ci, le monde entier. Que ce n'était pas nous, c'était nos parents qui avaient fait ça. Les Mbossiers disent aussi que c'est pas eux, c'est leurs parents. Donc il faut les dégager et nous on va faire autre chose. Mais le problème c'est que vous oubliez. C'est peut-être pas vous, c'est votre parent, mais ça aussi ce sont nos parents à nous. Ils sont partis. Et aujourd'hui, l'histoire de nos parents se répète à travers nous. Et nous avons des parents à nous qui sont en train de subir, sachant que nous sommes qui nous sommes les autochtones de ce pays-là. À travers les archives, vous voyez tout ça. L'évolution qui a commencé depuis les années 1800. Donc la République, une et individu dont vous prenez là, est infiniment petit et maturé, est infiniment une miette. Et eux, ils sont infiniment des petites miettes. Mais quand on veut faire du mal ou quand on veut piller le pays, il faut faire quoi là? Il faut creuser, il faut causer un ennemi qui va avoir ce qu'on appelle double standing en anglais, qui va avoir deux rôles. Hein? Quel est le rôle de Ntomi? Le deuxième rôle de Ntomi? Vous parlez un peu en larry ici. N'a-t-il la wedge beno? Mitotomio mito zakana le beto. Nzanda bimvuama. Bukuna mwatu, bari, dimenene. Bungu gulbanda anti parce que bueso. Lusakumunu. Lone lusakumunu lualo. Ba, mwamba, mamba, mangapele. Mwatu mangapele. Moka donc d'après Beno, nuana kubayi nuana, Kamu nuana ko, ame fuba baka raison ko. O wakwa bamuntu, o ba nuana akana wo. Muntu o ba nuana akana wo, ni nani, ni tantumi. Samu mia ntumi, mia mingi, mia netoku. Kaboba mvwiri, ome yande, mtoko mbinda manenenti, mboka muntu moshi kama natan samu. Ah, ngachu unakwa. Wanzolo kama natan tamu, ah. Wantatu kama nakwiza. Unabata unaboba anso, mbata kwa zonze ko. Ha? Ngachu unakwa. Ngachu unakwa. Ngachi wuna kwa. Wuni ntumi. E wudi ya. Hein? Nous sommes toujours dans les ressources premières.
matière première ici. Nous avons dit ici, le convoyeur des matières premières de ressources dans l'état de Mpangala. Hein, Tommy? Ça, c'est le maquisard. Oui, maquisard. Ça, c'est le maquisard. Celui qui vit dans la forêt. Un forestier. Tambou Sangika Baka. Et où n'y a? Et où n'y a? Watsema tututu. Papa de Kuiri, donc Yindumini. Biblique, Manak Shiki, donc on a boué. Bashiri, temple, et moi, tu y a pime, mais violet. Mutu wata mwana na bondi tutu alertu tu. Woni mtu ba kusangi woni mtu kwese kwenwani na bantu bakaba nte wakoche mbo bantu ede kwa bakwa museko e yandi pe mitoto na meni nande antu mi mitoto na mwana myo bubu tshiri bwabu boko betoko mwatu bya bulukwe mone checkpoint, so jibata kwa kwa kwenye kukibola, ba militeri beyane kukibola. Jina zazan toni, njina jibakwe bongi laka bimvuwa mabia peto. Don tumi waka zakale wo, yani zebi, kabanaba kwe chima or, kuna kwa beto na kolta. Bobo kashiri bo. Butala mumilo ya yandi, babing bafuirimo. Wakati wa pastor wa fuiriko. Ramses me mimi kristako. Video koze. Donc lui, là où il est là, il est celui-là qui facilite l'accès aux matières premières dans Mpangala. Yani. Yoni deuxième rôle, yani. Si il va avoir des convois de matières premières qu'on doit ravitailler, il doit créer une guerre. Ils doivent créer une guerre. Ça, c'est quelqu'un. Vous n'y yandi, ça a guerre. Entre nous. T'as bakuleno, bakuleno. Entre nous, entre nous. Vous n'y mounou, t'as panda. T'as panda, donc tu fous moi pour que t'as panda. Et puis, c'est un docteur. Kambo, il a dit, t'as les chaussures. Ah, quand tu as un docteur, tu as un bel homme pour toi. Ni comme un natini. Bubu kashiribu, naba kento be nandiku, asabonga mpepeku, bogo tulaku mayama ya, kabaka bitu, yee kuna gata. Foto za nandiku kakwe shikirima gitare, sani bien kuandike. Don yandi waka zebi. Kanchenji la bakote laka ko, bakwe bonga mvwama, ori ya beto ya bonga na jamon, ulepulu, kwa lita wa, mpangala. Beto ku mpangala no, katulende ata mwana mpashiko. Beto. Kawuni mtu zebi kamo beto bimvuwa menoto. Nzami kere sangula kako. Nzami kamo huma beri sweka mata. Beri musongila. Kani nzami kama sangula mtu mata. Hame mwatu mjingu uwi. Ababu wako. Boka unche nzami kwa isongula mata kwa kwa mjingu uwa kaka. Ashak mjingu fuka duka. Bobu. Wabongole mwana. Waturiri mchi depite. Bima bia yandi bia bien soni wa toujours monsieur le président Sassou Ngata. Bayula ni bo oh non c'est la norme ya mwatu ya bwatu ko guni mpona. Est-ce que ngana muntu e faso ti bulu cho baleni batambila mfumu. Wai kana mbongo za jingi. Yandi. Kaboba mfiba mchikiri lako niku espoir kwa kaika kwa bahani espoir na espoir. Anchame bubu kashiri bo wamini uluba bala kwa 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 kashiri baka nyenga mweneko bubu anaka bala ba mwatu ba mature. Bogo wabu kwese bifubiobi na mwatu na kade mpema yani pelibyo. Ngachi una wanta una. Abe nima kente ba tumi, abe nima kwabule, abe nima kwe, abe nima kwalu. Ngachi una wanta una. Moi, comme je vous dis ici, là, maintenant je parle ici avec le cœur pur. Je ne suis pas contre.
intalable, le plus des intalables, intalables. Donc Yandi, son combat là, c'est pour faciliter l'accès aux matières premières. Tommy, c'est son rôle. Et ce que nous disons ici, nous disons ici, pour la plupart, nous mis à jing, à côté comme poutou, j'ai quoi si c'est débrouillard. Bakaka le tout massacre, nous que tombe mata, n'achète pas cala, bungu bao bataka, bao, ratera ou beri saka protégé. Hange, voyika luata buna, buta buna, voyika pena lumpampani, voyika ngeni kamuni ngeona miracle, mboka inge yonchan zambi lobo wila ou yonge. Banza ba mama ba beto, buka sambila, buka konkota. Mwana uwashiri. Ancha muntu wa sambila ko, wa macheleka. Mumacheleka mama nsoni sambili, nzambi, iya beto ya iya tamampungu. Kashira nsambu, kashira diambu. Anani? Doko beto kuna bimango becho. A beto, bobo tu stovu da butu takas, butu zonza ka mulari, butu zonza ka samu mimi ya beto. Mulari tu zonza, bobo tu tata, bimangu seke kobie. Amu nsino, mkumbu ya nchitaka ya bimangu. Wa kondo bimangu, kondo kwa zaba, beto ni kota yika nimbo kako, mubunga bantu, bata kwa luachi, kachika nchaji, kachika, bata kwa luachi. Ame mempe na mna wayanje zikuiza kudok me wanchu wa chono na langa tututu. Kama langa kuma taku maanga meno. Taleno muntu weno. Wehu, ehu. Dok, shiri, foto yi kuma nima. Ya chiari na chiari. Paske yo kachika bwebo. Sa, se synonyme de la pauvreté. Umonte ki debure kwa tukwe se kumpashi kwa tukwe mone. La prospection des matières premières a commencé depuis les années 1875. Donc, le simple fait d'avoir la carte géologique avec les autres guerres qui sont succédées là-bas, Soumi, lui, il ne peut pas résister devant Mathurin. Il y a un dit qu'il n'y a qu'à l'indaco devant Mathurin. Jamais. Mature bantu ba bingi ka wonde seko. Ntumi waka lema na. Ni yandi saka facilite. Imvwama be beto. Kushimula beto. Kuna kumpanga lenteta. Or ce que vous devez savoir. Pour pouvoir aller. Prendre les ressources. Dans d'autres contrées. Hein? Mpanga là c'est la porte. Vous avez vu le train, non? Machine. Quand le train quitte Jinji là-bas, ça passe sur tout le sud du Congo. Là où nous sommes, nous tous les Congos. Donc quand le train passait là, hein, c'était comme si on était la famille. Malem, malem, kabem, kabem, tu viens dans le poule, là, c'est le poule. Chacun savait où s'arrêter pour acheter les trucs. C'était la famille. Ben, quand on a vu la vingla, camarade, on a vu l'église dans la train à pointe, on a vu Félix Mbabima, avec un de vous tout quand même. On parle là des ressources. Donc, Mpangala, quand Mpangala, quand il zoom in Yako, peut-être que tu. C'est-à-dire que tout le sud du Congo, tant que Mpangala n'est pas calme, tout le sud du Congo est dans la merde, nous les Congos. Mpangalala, c'est une histoire de la Fédération Congo.
et de tous les autres Bakongo de Kinshasa. Samoa Kakao Bakongo à Kinshasa. Vous êtes au courant que Mathurin, Sassou, Denis, Elendenge et tout ce monde-là ont des maisons à Kinshasa. Après le Bango Nalingala, on est toujours dans, dans les ressources premières, on va en parler, je vais continuer tout à l'heure. Après le Bango Nalingala, peut-être dans les Bayoka, parce que Bakongo est belé, Kuna. Ayoka a des choses qui congotent, à Bosana. Mais il y a des choses qui congotent. Bisso, Kuna Nangambo. Ce qui te montre la passe, Kuna, la passe mon sousou, et où t'as qu'est pas Nabino. Et belé belé, kalamingite nazo yoka, mamou, lolo monko, oh, ma Congolais, Nangambo, bazaba, zomba. Bazo koko longo la sasoute, bazo koko longo la maturente, talabiso to longoli, motoana, to zuki sekedi, to che. Bazoba, est-ce que bino boko koko kabiso, bino moua banami keboe. Mais, ce que tu t'allies bien, bato oyo, biso bato oyo bozo tchola, o ba mouna oumena ba lianga, na olo bakaka. Nenge to zaboye, maturin, Alala kai pana bino kuna. Bango tout, Antoinette Sassou, ses parents, viennent de Kinshasa là-bas. Koko, Kiki, Kinshasa. Ndenge, Kinshasa. Comment on l'appelle déjà? Jean-Dominique Okemba, Yekutu Kala. Ils ont des maisons partout. Na ponteur, basana bandako, balala rakunate. L'esprit de pauvreté, les pauvres lots. Vous voyez? Donc, Kuna, on a l'impression qu'il n'y a pas de président là-bas, à Kinshasa là-bas. Donc, on laisse les criminels vivre là-bas et ils viennent traverser chez nous pour foutre la pagaille. Les années bino. Ceux qui ont fait l'élection, ils ont voté, ils ont voté, ils ont voté, ils ont voté, ils ont voté. Quand la mingue, tout le monde a mis la sonne, ils ont voté, ils ont voté. Donc, sachant que Tozana Bandeko, Oba Luba Congo, Nangambo, Bantandu, Oya Kinshasa, Babungana Bakenda, Naibite, Bango, Mboka na Bango, Zaka, Nakasanguluku, Bantandu, Mazaki, Bele, Bamona na Susute, Bantandu Kinshasa, Bakongo Kinshasa, Teba na Bango, Bango Susute. Mais Kinshasa wana, Ezaya Bakongo. Biso tozo loba en tête pour tolingi yo ka to kota mais ezande famille mais ce que tolingi to zela kimia ba mboka mi balewana lokola basi ba kabola ngo il faut tomber loba parce que la pagaille là les Rwandais quittent là-bas ils viennent là-bas chez nous les mêmes Rwandais wow pagaille partout. Les Mathurins quittent là-bas, waouh, ils vont appeler les Rwandais, les Moufsev. Donc c'est devenu un terrain de jeu là-bas pour tuer les gens. Nous, nous sommes en Congo. Il y a Gabon, il y a Angola, il y a RDC. Hein? Au Téléma, au Kanga, Mirwana. Parce que ceux qui ne kambokwe ikuna, bako kima na ngambo. Ceux qui disent basa ni kambakimi et pas abiso. Et pas abinokuna. Donc, eux là, Kinshasa là, et comment le kola doko, passoire. Beach koutou, c'est pas la peine parce que beach wana, c'est par là qu'ils font sortir d'autres matières premières. Vous savez que, vous avez la cimenterie de l'Outété. C'est des ressources, ça. Moi, j'avais des camions là-bas. J'avais un camion en Pangala qui faisait le tour, qui prenait le ciment à l'UTT, qui vendait. Il y a même d'autres ciments que je déposais à Oyo là-bas. Une tonne faisait à peu près 1 million. C'est ça. Quand tu payes les travailleurs, ça te revenait peut-être à 800 000, quelque chose comme ça. Mais sans compter, derrière, tu as des gens qui te
les policiers qui te demandaient l'argent, donc tu finissais à la fin, après avoir donné quelques travailleurs, puis à la fin du mois, tu n'as presque quasiment rien. Un pays d'escrocs. Notamment, vous avez des chauffeurs qui crevent tout le temps des pneus, qui disent qu'ils demandent de l'argent à tout moment, créer des pannes. Voyez. Ça passe par où? Vous savez qu'il y a un train qui quitte, le train qui quitte la gare là, il va directement au beach. Au beach. Et par là, ils peuvent décharger des marchandises, d'autres qui vont dans les autres. Mais ils n'ont rien fait comme un fardeau. Donc là-bas, c'est la pagaille totale. C'est la foire aux matières premières. Parce qu'ils ne vous parlent que du pétrole, mais le bois est vendu. Et tout ça, c'est les Français qui exploitent. Avec les Maturins. Et tout ça, c'est mis dans les clauses que nous avons mis fin à ces accords. Je suis allé voir au niveau de sur le net. Il y a un documentaire sur Africa Media, la même mise sur des puissances occidentales sur les gisements cachés. Cachés. Au Burundi, là, la terre du Burundi et la terre du Centrafrique et la terre de Dolisie, de Lubomo, c'est la même chose. Il y a du bauxite, il y a... La fédération est un gisement. Incroyable, mais vrai. Quand j'ai vu la carte géologique minière, c'était fou. Et tout ça, ça a trait à l'économie. Donc, depuis les années 1800 jusqu'à nos jours, on est en train de prélever les matières. Nous, on souffre dans les pays occidentaux. On ne nous donne pas nos papiers. On ne fait rien. Donc, c'est-à-dire que, incroyable. On souffre gratuitement. Alors que nous avons l'argent. J'ai entendu récemment Mathurin en train de se plaindre de la France. Il dit aux gens que non, moi j'en ai marre de la France, moi j'ai tout donné aux Français, je les ai tout donné. Comment ils veulent me laisser tomber? Mathurin, toi tu es infiniment petit face à notre histoire. Tu crois que c'est toi qui es venu donner les matières premières aux Français? Je viens de te lire les années où on a commencé à prospecter. Mathurin. Et lui, il a l'audace de dire qu'il a tout donné. Donc, il a pris les choses. Il allait signer notre vie là-bas pour nos matières premières à nous. Avec les opérations Mwebara. Vous êtes au courant de ça, non? Les opérations Mwebara. Où il a cru que nous, donc il dit ça avec fière arrogance, que donc nous, on appartient. Donc j'ai tout donné. Tu as donné qui? Tu as donné quoi? Non, il faut dire ceci. Que par ta méchanceté, tu t'es donné toi-même et tu t'es fait mal. Nous, on ne t'appartient pas. Nos terres ne t'appartiennent pas. Et tu sais par quoi tu es venu là-bas. Et tu t'es, vous savez que toutes ces matières premières qui ont été prélevées, si aujourd'hui on commence à parler des réparations ici, ça serait autre chose. Vous comprenez? Dans les prochains jours, je ramènerai quelques images satellites d'Antoumi. Donc, tu as Antoumi et tu as Tata. Il faut être dans l'immédiat. On ne va plus te voir. C'est-à-dire que nge, si Muntu Weko, si Muntu Weko, vous n'avez pas changé. Hein? Quand vous m'achetez le kalutaka, si qui j'y katachi, tu m'y katéke lako. Quand ça audio, quand ça vidéo, quand on a preuve, on a bien sonné,
bina bita fwana nga achi beto ntembe za katuka. Meni bana nitakela. Paske meni wanzebe wafira wa take away. Mimi nitatahi ya nibeni zaba kata zaba. Chimu untuwe ko bobu tatachi kamo bende mantumi. Kawana samu wanu anabantu hako. Duke noko, chizu nila tawuna ntawuna. Bende mabingi mantumi. Muna mpashiko. Mano una kwa. Nano una kwa. Ha? Menokai. Natame kabantu ko. Nabonga. Nasa risk. Nabonga risk. Jingu chame. Bonga leba journalist. Nabatame kiriko. Paske yandi kiriko etechi. Kona ive parla a communauté internationale. Aucune radio. Mais nabonga ba journalist ba meno. Nabatame kako. Wakondo, kaduka. Hey, yani, malita kwa zonze bo, mboka taduka, ngachi yani, yani ni yani kwa shirineto, mboka hapiti bwe, babu wonda, mboka haka bwe kabwe, bende ule ne, doko, samu miya bundoko, miya nzanda, miya fusa, miya bola. Mboka boba fuiriko, msafo kwa za bajini, ngachi bi jangiri kwa. Mencha nitata, ntumi, ngeduka kwa. Kata wa. Et puis, wow, t'as ça, tu n'tembe, quand même, pour ta guantaka, quand bon, j'en ai, ma yelako, mais zoba quoi, tu zonza boun, en sa moi. D'où que noko, ils en ont la tutelle ensemble. Quand comme beno mian ou la yuku, na tayo tayo, n'ta nu que n'isa kamien mian kan, men j'en ai mian. Zonza quoi. Et d'où que ce no, tout le nom a zonza ma beno, tu t'as wa. Parce que mes coups, j'ai jamais bien benani. Bien va tout réunir, j'ai jamais encore. Donc, Tumi, Duka Duka, le poule, un point de trait. M'panga la Duka Duka, de toutes les façons, vous Duka Kompe, vous botte Kompe, sous ce mot, je crois que c'est un peu. Moi, j'imba kana Kongi. De la même manière, vous t'as Kuma, Mboshi, Ngepe, Muna Kachi Muna Nimuna, Kachi Benjit Sala Salako. Kachi Benjit Sala Salako. Si beto fatu ta foko, mubungi da porti zo, zo wa zuburiko, jikuwe kere le bantu ba, bibo ba la baba, la baki mvwa mebe beto. Tange tala, chituku. Donk bantu ba, ba kwa ba eko, ba salaka ko, ba kwa ganaka mbongo. Ah, chombele bantu be na kube kumputu ni baba kwe sale ko, ba kwe tonzo ke mbongo, ba kwe kuganaka, chombele ni bo. Tombele ni bo, ame, atata, tata, ngeye, tantumi, ya buweso ya ye, nzambi watu mkusa mwata. Ndongo nge ni mba koko, kuchini bebeto nge, ndongo nzambi nge kusakumina, waa, mkusa mwini, ndongo, ya ni mansakumini, oh, mwana tata za ye, mwana, hey, aleluya. Ha? Ebu ntele meno, eteka watetele, wateka ntamange. Mwanzo, tala, Kumi, menta mana duka kugata, waze. Bob na duka kugata, kana duka kumpe. Sa kompon. Toujours, disu kunchalu kaya, mwani kuizaka vakons, mwani kotaka, mashe mashe. Meno. Dok mengula mwana yaya we, wabutuka muna pari. Ambongi ni jeti zakala, mene ni woni zakala kame ambongi. Meno ni wonje. Dok wuna boba wa wuna. Unene unene wuna nseneko, inene lenga sene buzo bako. Meme, mubuzoba bubu nani, mpashi zani nita monako. Mba mboshiba kwabe, mboshiba kwabe. Ibulubiwe, betuba mboshiba lenitu manisa peto. Na plonzo, mboshiba mbao, shiba ninja, mboshiba kwe saa take kuna. Yani shirirani plonza kumanima, ekune mbawondeleba. Tamo kuitachi, oi makuzu puria, abo, puria. Nganu msafuzo bantu baba zonza kwa bidiangiri kwa abe, msafu kwaze. Ngena njila moshi, na mwatu, na kari ampe, njila moshi. Meno, wotu wachi kambo beno ni beno lisaka vwanjiko. Ungo ninja za kolelaka basa laza zonzi leko kipete duza potu bakwe uwe. Tadiku, kumuna nzani na kukwe uweko, duza potu, duza kanchi, mboka donk beno,
Anche ni saka protège ko. Mpanga la. Beto babu tsatu tu dikiti tu kengi sesef anavu tu kotako. Anavu tu kotako. Anani anako kotako. Babu tsatu tu kengi butu kengi ha centre sesef tu kengi ayansoni. Kuchikini sam anani nzonza ko. Abo bakote na ko bao. Kaba umbo sabuke na mandenge ni ko Ameriko ezebe kwao. Na ba douza pote oh il avec le général ni dengue donc na ba la mama ta a commission ni wo wo berdem ko ni obere vulu ko tela ba. Mwatu e buneke bo ba mwatu baka championnat yo ya Coupe d'Afrique yayo. Bazebe tu vanzi da baona. Mwatu ndenge wa bao wa kota waina te ku majibu. Ba douza pote ni wo yo berdem. Quand il babre, ça se... Ah, vraiment. Moi, quoi, je suis sakati. Oh, Beto, Kela, tu Kela, Mbanga, tu Kela. Donc, lui, non, Angoloko. Lui, non, Angoloko. Lui, non, Angoloko. Mbanga, la bobo, tu sakati, Beto, tu Kengi, yo. Ah, abo, kote, lako. Nous, quoi, kouta, Uluba, donc. Abo, kote, lako, kumako, kabi, mangu, donc. Koutela, mané, kou, yalukiri. Kuta tuka mingono kuta zaba kumkuma kuka mbando ndwaji. Kuma kukubaka bi mvua mbabingi ndwaji kwa ibaka. Chikulu kakula sato zaba pele. Kauni muntu, wuni ntumi, kelako kamo chikulu. Wale mbane, nsamu. Nima veste katakwa tuluati riko. Kacho wateka kwa andi waba. Ngalo guna kwa. Pour couronner le tout, nous allons passer à ce documentaire dans l'Infoca, où qui illustre la thématique allant des périodes de la guerre, 45, les deuxièmes premières guerres, comme ce que j'ai élaboré ici, en plus fin, en plus minutieux pour l'auditoire international. C'est des vidéos qui circulent sur l'Internet. J'estime que nous devons écouter ces vidéos-là pour la lanterne de tournement. Et pour permettre aux États, parce que moi je trouve ça assez inconcevable de ma génération à moi, comme elle dit que l'esclavage était fini, mais je me rends compte que c'est sans les enfants des colons qui sont en train de nous faire subir les choses. Et quand je dis qu'ici qu'il n'y a aucune sagesse, et vous savez, la pauvreté commence dans le mental. Quand tu as un mental pauvre, tu vas penser que tu vas t'enrichir avec le matériel, mais c'est en fait quand tu te rends de plus en plus idiot. Nous écoutons ce documentaire d'Alain Foucault. Pour couronner le tout, il est quelle heure 23? Au plus tard minuit, nous allons commencer à prendre les appels. Je crois que ça dure combien de minutes? 44 minutes. J'estime que c'est très important pour tout le monde de regarder ça. Et ça concorde tout ça à nos histoires aussi, à nous. C'est une chronique. Dans l'infocat, c'est important. Mais, Toumi, c'est lui qui ouvre la passoire. Donc, les polices là, Mbangala, et bon, t'as là, quoi, non? Wana louté le lebe, non? Longo keno, tia. Tia ni bouta, bouta ni tia. Longo keno, tia, toi, tu vas dire que là, tu vas dire que là, longo keno, tia, mo. Ma kwe kubuki, longo keno machia moma le nukwa wingu. Longo keno chia. Bantu bo, il faut taba nimba. Tadiko bao kumbangala. Il faut taba nimba koko matati nimba koko matati nimi nakabantu. Aujourd'hui, bo pita tu taba nimi niko. On ne peut pas voir, oh non, les bembe qui sont venus, flan, ba bembe ba tu kote la ko. Oh bah puni, njila moshi machine yo tuwe bet, njila yo ya yo. Njila ni kanda da danzo. Akutwa kawuta bako, oh, dok bemem, tadi bau, ba moshi tu bachika mwa kumakuna. Njinji kuna. Kuna luango kuna. Njila ni yuke ya beto wa yo. Beto katulende tafutu tambla kochi, menga matzamu, kako beto. Samuul tawo mona mena tata Bernard na mfumu Bernard na mfumu Mpongi na mfumu Birangi tata Birangi Samuul vrai noani natanwan parce que
Mais non, vous, en fait, quand vous... On s'est retrouvé avec les Pongi, et puis parce qu'on s'aime le pays aussi, et que on s'est vu là. Non. Et nous tous là, on a mis beaucoup de choses sur la table, on a mis notre or par terre, on a fait des concessions. C'est-à-dire qu'on a pris au moins 3 mois pour parler ensemble ici, pour faire comme des contrats aussi. Vous comprenez ça? Donc, le simple fait de faire pour permettre à ce que nous puissions faire face à l'envahisseur. L'envahisseur a des ruses pour dire que ce sont toujours les BMB et les Lari et les Vili qui se battent. Et c'est toujours, alors que nous sommes tous des Congo. Quel intérêt ça a pour nous de nous battre, nous tous, parce que est-ce que mon aussi que le baka kache moshiko? Nini tuka gulu jounou ani sa? Bob doué o kou mpanga la kou kwa gonsoni te kou nanjinji kache moshiko atu bak. Wale sebe no? Donc, betu katu nina kache ko. Donc, bamboshi il faut taba nimba. Betu tamo nima bachika ko no? Kakona mon tuko wa mwatuko wa le nyaji wa bwenza kuita kote antilishiri kani au contraire moba kuima kota faso buta sa mu 59 ameka kushiri achita kwesi wo kwa yele kwa musa chitanto oh bedo lu safukiri donc mtumi mtoma sa vuka na federation ya antoni tuluku tuku bonga ko tuku loshi teka kwa ledi ke la justice est là. Ceux qui doivent faire la prison feront la prison. Ceux qui doivent faire la prison à vie feront la prison à vie. Ceux qui doivent subir la peine de mort subiront la peine de mort. Il n'y aura pas de pour les canards boiteux. Maintenant, on sait ici, là, il y a peut-être des enfants qui sont en train de dire ici, oh, ils vont tuer nos parents, on va voir. Ah, tant pis pour vous. Chacun a son salut sur terre. Bon, nous allons écouter le documentaire dans l'Infoca. Nous allons suivre les commentaires plus tard. Va un peu permettre de laisser la tension ici. Qui a chosifié et avilé le noir pendant des siècles, qui a durablement installé un sentiment d'injustice. Ceci est un raccourci qui ne contribue pas à rapprocher les positions et à faire baisser cette tension qui n'est bénéfique. On entend beaucoup parler de French bashing, le sentiment anti-français, anti-occidental, un peu comme si c'était un phénomène spontané ou né dans l'esprit embué de quelques milliers de jeunes subsahariens frustrés, mal informés, aigris, jaloux et manipulés par Moscou. Des jeunes égarés à qui il faut faire la leçon, qu'il faut désintoxiquer. Pas si sûr que cela. Ceci est un raccourci qui ne contribue pas à rapprocher les positions et à faire baisser cette tension qui n'est bénéfique ni pour l'Occident, ni pour l'Afrique. Une bonne compréhension, un réchauffement des relations ne peut s'appuyer sur les seules conséquences en ignorant superbement les causes du mal. Au-delà du lourd passif hérité d'abord de la violente traite négrière, qui a laissé des traces, des blessures profondes, qui a chosifié et avilé le noir pendant des siècles, qui a durablement installé un sentiment d'injustice, puis de la colonisation qui a divisé, morcelé et contribué à piller le continent noir, et de l'actuel néocolonialisme qui continue plus insidieusement de le spolier à travers des contrats léonins hérités de la colonisation qui donnent la part belle aux firmes occidentales dans leurs anciennes colonies. Il s'agit aujourd'hui non pas de parler de compensation ou de réparation, mais d'instaurer une nouvelle relation, de mettre un terme à ce rapport malsain empreint de mensonges. Il faut construire un nouveau modèle de lien. Après tous ces faits historiques, où l'Occident n'a pas vraiment brillé par son humanisme, par son respect de l'homme, par sa correction, par sa justice, il s'agit maintenant d'établir un langage de vérité dans le respect. Le moment est le bon pour un dialogue étroit, respectueux et confiant sur tous les sujets. Justement, mettons-nous à table, sans rancœur et sans colère. Parce que je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain,
une profonde histoire d'amour, de respect, d'échange, de métissage, de créolisation aussi, de mélange, de richesse mutuelle qu'il nous faut savoir raviver. Alors, ceci passe par une réelle écoute. Or, le langage semble malheureusement n'avoir pas beaucoup évolué. Elle avait espéré que la nouvelle génération, celle des Européens, qui n'ont pas forcément vécu la colonisation, celle des Occidentaux, qui ont fait les mêmes écoles avec eux, comprendrait cette exigence de respect et de considération. Et pourtant... Je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias, des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Rushet ou des Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. C'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que, d'abord, il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Et c'est ce qui semble se vérifier, et en République centrafricaine et au Mali. Et partout, ce schéma prospère ou aura à prospérer. Waouh! Chacun a écouté le conseil aux naïfs, aux neuneux, qui n'ont pas vu l'offensive de l'ogre russe, qui ne pensent qu'à ses intérêts, qui menacent l'Afrique, qui violente tout le monde sur son passage, qui tue sans discernement dans nos villages. Ces propos suscitent évidemment plusieurs réactions dans la population africaine en général et dans la jeunesse subsaharienne et sa diaspora en particulier. Est-ce vraiment le ton à adopter avec des Africains que l'on considère comme des partenaires, comme des égaux? Est-ce que cette leçon n'est pas un peu déplacée devant un monde, un parterre des gens qui ont une vision tout aussi ouverte sur le monde? N'ont-ils pas la capacité de juger avec qui ils veulent discuter ou non? Est-ce que ce discours paternaliste ne contribue pas plutôt à rendre les Russes plus séduisants finalement aux yeux des jeunes? À force de les diaboliser et de les mettre en garde contre ce danger, ne suscite-t-il pas finalement leur intérêt vis-à-vis de ce qu'ils perçoivent comme le contrepoids? Qu'est-ce qui fait penser au président Macron que les Africains ne sont pas assez matures pour avoir leur propre jugement sur la Russie? Comment peut-on prêcher urbi et torbi pour le multilatéralisme et demander dans le même temps aux Africains de rester avec les partenaires historiques dont les résultats sont singulièrement mauvais? Beaucoup de jeunes Africains ont piqué un fou rire en écoutant ceci. D'autres, en revanche, ont exprimé une réelle colère en se demandant si on les prenait pour des Mongols où les demeurer. Vous aurez remarqué le pied de nez du président Paul Biya sur la question russe. Il ne se démonte pas. Il est dans le cadre des relations normales avec la Russie. S'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. C'est dit. Il ne compte pas modifier le cours de ses relations anciennes avec la Russie. Évidemment, sur le volet économique, le parallèle est vite établi. Surtout que le voyage était ce coup-ci, heureusement, clairement orienté économie. Les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun, voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Monsieur le Président Macron, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre les deux pays? On est passé de 40% de l'économie camerounaise tenue par la France à 10%. Un recul préoccupant qui explique en partie ce déplacement au Cameroun. Peut-être nous étions-nous endormis, disant c'est notre pré carré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets. Il n'y a pas de malentendu. Non, mais beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça.
Ce pays s'est formidablement développé, a gagné en population et s'est ouvert. Et donc d'autres pays, d'autres entreprises sont venues sur ce théâtre pour proposer. Et donc c'est que nous avons été moins bons que d'autres si nous n'avons pas obtenu les marchés. Donc ça c'est la première chose, il y a une concurrence accrue. Et c'est très bien, il n'y a pas de chasse gardée. Il faut repartir à la conquête de cet important marché, c'est urgent. C'est le second volet de ce déplacement, ce qui justifie l'impressionnant parterre des chefs d'entreprise et acteurs du patronat français pendant ce bref déplacement au Cameroun et au Bénin. Une bonne chose puisqu'il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, mais que les règles soient claires et que le deal soit bénéfique aux deux parties. Tout ce malentendu, cette tension vient d'un discours biaisé, obsolète, hypocrite que les jeunes Africains ne veulent plus entendre. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, monsieur le président. Je vous invite à la récurer par des actions concrètes. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple pour l'Occident, qui ne veut pas perdre sa place, de dire aux Africains, ok, on a compris, on va parler franc. Au regard de la situation, nous avons envie de commercer avec vous. Par le passé, on vous a spolié. On a passé des contrats lyonnais qui vous font du tort. Maintenant, nous sommes une nouvelle génération. Asseyons-nous et discutons ensemble d'un new deal gagnant-gagnant, d'égal à égal. Vous représentez un important marché avec d'importantes richesses naturelles dont le monde a besoin. Nous avons la technologie pour l'instant. Trouvons un terrain d'entente, ceci d'autant que nous nous comprenons plus aisément. C'est simple, clair et sans arrière-pensée. Le discours sur les violents et calculateurs russes ou sur des Chinois est contre-productif. Ils ne nous ont rien fait pour qu'on les déteste. Ils ne sont pas nos ennemis. Nous ne les voyons pas comme des nouveaux maîtres. On ne veut pas passer d'un maître à un autre. On est en droit d'étudier leurs propositions. Celles que nous sied, on les prendra. Ne vous inquiétez pas, ils ne risquent pas de reproduire le même schéma que celui du colonisateur d'hier. Après l'expérience, avec vous, on a compris. Les jeunes Africains sont assez grands pour savoir commercer ou non avec eux. Merci pour votre conseil. Ils sont de potentiels partenaires s'ils apportent des solutions dont l'Afrique a besoin. Pas nos ennemis. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. Our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Dans le royaume des ancêtres, Nelson Mandela doit certainement déplorer le fait que ses propos n'aient pas pris une ride, puisqu'au Sénat américain, on vote des textes pour sanctionner les pays qui ne se sont pas alignés sur la position occidentale sur la question ukrainienne. En réalité, c'est cette propension à faire la leçon, à adresser les Africains contre les ennemis de l'Occident qui contribue à creuser ce fossé avec le continent noir. Il faut punir ceux qui n'ont pas fait de leurs ennemis les nôtres. C'est ainsi aussi que certains Africains, et pas des moindres, interprètent la pression que Paris continue d'exercer sur eux afin qu'ils sanctionnent le Mali qui a demandé le départ de son ambassadeur et de l'armée française. Je vous parle avec la gravité d'un chef d'État qui a eu à enterrer des soldats parce qu'ils sont venus sur le sol africain défendre la souveraineté d'un État qui n'était pas le leur. C'est ça la réalité. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CEDEAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française et que des dizaines de nos enfants sont morts sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Allez voir beaucoup d'autres que la France pour leur demander les deux poids deux mesures. La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande et pour leur sécurité. C'est fort ces propos. C'est une réalité sur le sol africain.
mais les choses ne sont pas perçues de la même façon. Mais alors, pas du tout. Et ces propos ne sont pas du tout bien accueillis. Si le but du président Emmanuel Macron était de susciter le soutien de la jeunesse africaine aux militaires, au pouvoir au Mali, c'est réussi. Ces discours, cette pression sur les dirigeants de la CEDEAO et au-delà, cette diabolisation entretenue par la presse européenne a suscité un vrai soutien au régime en place. Elle a fait de la position d'Assimi Goïta et de ses frères d'armes un acte de courage, de libération. C'est ainsi que c'est perçu par un nombre important d'Africains et même par beaucoup de ceux qui ne sont pas des soutiens du régime militaire. En réalité, le discours d'Emmanuel Macron, même s'il le pense, est de nature à heurter l'immense majorité des Maliens et même des Africains. Le fait d'évoquer les victimes françaises, les soldats français tombés au Mali, est un élément de langage qui ne passe pas dans une Afrique qui a désormais de la mémoire. C'est vrai qu'une cinquantaine de soldats français sont tombés sur le sol malien pour défendre l'intégrité du territoire. C'est beaucoup et c'est déplorable. C'est triste notamment pour leurs familles qui ont perdu des êtres chers dans une guerre dont ils ne comprennent même pas souvent les enjeux. Mais dans le même temps, il ne faut pas trop souvent leur amener cet argument. Parce qu'en matière de tragédie de ce type, les Africains ont payé le prix fort pour libérer la France à chaque fois. Des dizaines de milliers dans la Première Guerre et plus encore dans la Seconde Guerre mondiale sont tombés pour la France. Souvent utilisés comme de la chair à canon. On se souvient du général Mangin qui les envoyait à l'abattoir devant ses troupes. Ils sont morts pour libérer la France, qu'ils ne connaissaient même pas. Pire, on les enrôlait par la force. C'était en grande majorité des gosses, des paysans que l'on a arrachés à leurs terres et à leurs familles par la force. Ce n'est pas des soldats de métier comme ceux qui se battaient au Mali et qui avaient intégré le danger de mort lié à leur profession. Ils étaient massacrés de façon la plus barbare par les Allemands. Plus grave, une centaine de survivants de cette Seconde Guerre mondiale à qui la France devait gratitude et reconnaissance, ont été froidement abattus à Tiaroy simplement parce qu'ils réclamaient, avec un peu d'insistance, leur maigre solde. Les gens ne se portaient pas volontaires pour aller faire la guerre. Ah non, on les enrôlait de force. Ils sont partis au secours de la France. Mais la France a oublié ça en 1944. Mais les gens qui ont fait le front, qui sont revenus, qui ont demandé seulement à rentrer en position de l'opinion, vous les massacrez comme ça parce qu'ils ont osé demander leur crime. Vous vous rendez compte comme c'est lâche, ouais. Ils refusent même de reconnaître le crime en disant oui, que ces gens-là ne sont pas morts pour la France. C'est tout encore. Alors que c'est des Français qui les ont tués. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Et la France n'est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu un moment assombrir son image. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Ceci invite à un peu d'humilité. En matière de reconnaissance, de gratitude, la France n'est pas un modèle sur ce coup-là, vous en conviendrez. Ceci pour expliquer pourquoi le discours d'Emmanuel Macron, relatif au lourd prix payé dans la guerre au Mali, n'est pas vraiment adapté. Il est plus de nature à exacerber les antagonismes. Surtout que tous rappellent les circonstances qui ont créé ce chaos dans le Sahel. L'assassinat de Muammar Kadhafi qui a déstabilisé toute la sous-région. Regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi d'un massacre annoncé, comme vous avez pu le faire avec le soutien, rappelons-le, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien du monde entier en fait, y compris l'opposition en France, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion des années après. Vous perdez un votre état raison, monsieur disloqué, Pujadas, vous un accusez. État disloqué, mais, des djihadistes qui monsieur, trouvent des refuges Pujadas, et qui ont bénéficié monsieur des Pujadas, armes et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer monsieur Kadhafi? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Ah bon? Si la France n'avait bon. Pas ah bon. Aidé la ah bon. Rébellion, bon. Elle n'aurait pas pu tuer Alors, parle. Le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi, enfin,
Son convoi a été bombardé au moment précis où il a été tué. On a de fait renversé un régime et ça a tourné au chaos. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge pour des raisons politiciennes. On a laissé tomber la Libye pour s'occuper d'autre chose. Qu'aurait-il fallu faire ? Envoyer des troupes au sol ? La Libye, c'est 6 millions d'habitants. Il fallait aider cette jeune démocratie libyenne. Notre tort ? Il faut bien dire qu'à partir de 2012, nous n'étions plus aux manettes gouvernementales, c'est de ne pas avoir accompagné ce processus de démocratie, et on a laissé les Libyens se débrouiller eux-mêmes. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça, et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Ceci est le sentiment de toute la jeunesse africaine qui rappelle au président Macron et à tous les hommes politiques européens qui doivent arrêter de ne parler que des conséquences pour évoquer les causes profondes du mal dont souffre le Sahel aujourd'hui. L'origine du mal. Le mal est venu de la Libye. Vous le savez tous. Une vérité qui doit être plus largement diffusée auprès de l'opinion publique française à qui on n'a jamais vraiment avoué de façon documentée, le fait que le désordre dans le Sahel, on le doit pour l'essentiel à la France, à l'action de Nicolas Sarkozy en Libye. Et personne n'a été sanctionné, n'a été condamné pour ce crime et le désordre qu'il continue de susciter. Personne. L'auteur continue même de le revendiquer, malgré la situation. Donc nous allons avancer, les y suivre, ça sur mon mur, hein, plus de 40 minutes. Mais c'est juste pour donner un peu ce qui se passe au niveau international. Et tout ça, quand on parle de cette guerre-là, nous étions dedans. Quand on parle des problèmes économiques, nous étions dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie de l'Afrique ou des Congos n'ont pas participé. Tout ce qui s'est passé depuis les années 1800, là où on a commencé, nous sommes dedans. Quand il s'agit de parler de l'histoire de la Bible, nous sommes dedans. Nous sommes partout. On n'a pas commencé à exister en 58. Donc, ce que je vais dire ici, là, c'est que nous, la Fédération Congo, nous sommes prêts sur toute la ligne, économiquement, gérer les pays, avoir des partenaires de suite. Nous sommes prêts sur tous les bords. S'il faut être ferme aussi, on sera ferme aussi. Si c'est pas, il y a des choses qui doivent se régler là-bas, sur les terres de la fédération, c'est avec la fédération qu'il faut voir ça. S'il y a des problèmes qui concernent Mpangala, avec le gouverneur de Mpangala qu'il faut voir ça. Et je vais amener ça au conseil. Et là-bas, nous allons décider pour les problèmes, si par exemple cette histoire va toucher directement toute la fédération, si concerne la sécurité de la fédération, aussi bien monétaire, aussi bien militaire, cette chose sera débattue au conseil. Mais s'il s'agit de la politique intérieure de Mpangala, ça se passe avec moi. Que ça soit bien clair. J'ai tout ici, là, mon numéro de téléphone, les emails, tout ça. Tout ça. Donc, on dit encore à la France, s'il faut négocier, ce n'est pas avec eux là-bas, les embauchés qui sont là. Mathurin Tsassou Denis n'est pas le président sur notre terre là-bas. Mathurin. S'il faut parler, c'est avec nous. Comme ça a toujours été stipulé dans les contrats. Et l'histoire des Mboshi, des Abe Mboshi, je pense que je n'ai pas besoin
de la relater ici. Ça a été écrit par Edmond Hubert Bonnet. Et à ce que je sache, toi, ne dis pas que les Congos ont été mauvais avec n'importe quel pays qui est venu rentrer en contact avec eux pour faire le business. Donc nous disons aujourd'hui que nous ne voulons plus voir les Mbochi chez nous. Je pense que le partage a été fait là-bas, je crois, l'ONU. Là-bas, vous avez mieux, je veux dire, l'histoire mieux que moi. Et les Mbochi, vous qui n'avez pas d'histoire là, vous devez commencer à savoir vos racines, d'où vous venez. C'est toujours bien de savoir d'où vous venez. C'est très, très important pour vous-même. Maintenant, je ne pense pas que personne va venir démontrer quoi que ce soit ici, que nous sommes en train de faire quelque chose ici de mal. Nous ne sommes pas là pour attaquer, mais nous disons que nous sommes prêts à prendre la relève et prendre les choses en main. Il n'y a plus rien qui se fera. Cette république-là est bannie. Nous considérons cette république-là comme un pays qui nous a annexés. Et quand une république meurt, cela ne veut pas dire ici que les affaires sont finies. Les affaires peuvent continuer pendant que l'administration est en train de s'installer. En d'autres termes, quand les contrats sont renégociés avec des partenaires, les gens, tout le monde peut être content et continuer à parler. C'est tout. Il n'y a pas à recommencer, à repartir à zéro. Ça nous a tous rendus bêtes et ça n'a pas rendu le monde en santé. Je pense qu'il est temps de voir les choses différemment. Les Mbochi, on vous a dit, vous devez départir. Ce n'est pas qu'on vous a mis dehors, vous avez des terres là-bas. Vous êtes assez nombreux, il y aura assez de place sur ces terres-là pour vous. Vous n'êtes pas plus nombreux que nous. Même si vous vous êtes attelés à chercher à nous réduire en nombre, mais vous savez que vous n'êtes pas plus nombreux que nous. Donc cette histoire-là, où vous avez décidé de nous chasser de nos terres, de nous tuer à petit feu, stop ! Définitif. Vous avez entendu? Et ce n'est pas un... Quant à tous les vendus, abstenez-vous parce que nous n'aurons pas pitié de vous. Ne le prenez pas ça personnel, c'est la justice. Mathurin a cru que lui, il allait s'échapper toute sa vie. On te dit que nous, Mathurin, on attend le pays qui va te recevoir en tant que réfugié. Il n'y a aucun endroit sur cette terre que tu pourras te cacher. Nous, nous sommes les descendants Congo, nous sommes les héritiers. Et on ne peut pas accepter que toi, tu puisses saccager notre héritage, toi qui ne fais pas partie de nos terres, toi. Et quand on vous dit des choses ici, on vous dit la vérité, vous pensez qu'on est en train de rigoler parce qu'on veut vous faire plaisir, on veut se faire plaisir, être le plus caïd. Non, 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 vous avez détruit littéralement la vie des parents, des Congos, à l'étranger comme à l'intérieur du pays. Et vous l'avez fait non pas seulement physiquement, mais mentalement. Abruti, un peuple. Et ça, c'est un crime. Donc le nombre de crimes, s'il faut commencer à les répertorier là-bas, on n'en sortira plus. Donc il faut couper court, on passe à la justice et vous êtes dehors. Et ça, ça va rester dans les annales pour que plus jamais un peuple extérieur vienne bousiller parce que nous avons tous été établis selon tribu, selon chacun sa terre. Vous avez bousillé le pays. Ntelebo Manichi, Nkasukulu, Nsa. Pause de publicitaire, nous allons passer aux commentaires. Peuple du
avec K. Nous avons repris notre santé le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres. Pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres, nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud-Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud-Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Peuple Congo, merci pour le support de l'USK pour solidifier la formation de l'État fédéral du Sud. Commandez votre drapeau de 58,77 €. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, demain ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, le masque, ça sort comme ça sort. Ça sort, ça sort, le masque, ça sort comme ça sort. Ça sort, le masque, le masque. Wah, 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 wah. Ça sort. Mais non, tu le dois que je crois. Hein, bah, là. C'est-à-dire que, quand tu vas t'aimer, tu vas que nous autres là, non, moi papa m'a pas mis au monde hein, pour venir parler de ça ici, mais je me retrouve à parler de ça. Donc faites attention. Hervé Kinkalani Mboteza ou Claire Diwoulou Ntamenga Huawei, Marcel Bukombo, ici Congo, vive la Fédération Congo, signant la pétition. Quelle fin. In Zambia, Mpungu, the God of our ancestors, bless the Congo and his Totine people. Francis Matoko, bonsoir, le gouverneur de Edim, bonsoir à tous les Bisi Congo, partout à travers le monde. Mukuyu Kenanganda, le diable dehors. Nat Kambisi, bonsoir à toi Nat Kambisi, source de conseils de vie, source des conseils de vie. Les Burundais aussi, hein, il y a un show là-bas au niveau des Burundais. La Burundi se relève, je passerai ça demain. Madoumali Safi, ouvert, hein, les gens. Madoumali Safi. Bébert Inyangi, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Bébert. Exerti. Il a Louvedo, Louvre. Il a Louvre, Mote. Mote, Mote, Mote. Dites-lui quoi, dites-lui. Dans les années 70, inaugurons le premier gisement de pétrole. La pointe, le pétrole a été découvert en 1952, à peu près. Même pas en 70, 1950. L'une des raisons pourquoi on nous a fait le coup, parce que quand on a dit ça à Youlou, Youlou avait dit qu'il ne pouvait pas exploiter le pétrole maintenant. Donc il a fallu qu'il puisse avoir des gens formés. Donc, comme il ne pouvait pas, il avait commencé à envoyer des gens. Vous avez vu les voyages qu'il a fait avec Kennedy aux États-Unis et tout ça. Donc, à partir de là, c'est là qu'on a commencé. Marie-Si, je crois qu'il avait refusé. Et les autres, les Mboshi, n'étaient pas contents. Tout ça, ça a commencé comme ça, les jugements. Mais sinon, ça a été découvert en 52 par là. 52 ou 53. Voilà.
Ils ont voulu commencer à exploiter ça à partir des années 52. Ça a été découvert bien avant. La pointe noire indienne, le président Gulabi déclarait que dans les 10 prochaines années, le Congo devait importer de main d'œuvre. Lui aussi, Mathurin aussi, il avait déclaré qu'il devait faire des Congos un truc de je sais pas quoi. Et tous, ils racontent n'importe quoi quand on leur met à côté du pétrole. Ils deviennent fous. Ils racontent n'importe quoi. Même Marien Gouabi se retournerait bien dans sa tombe. S'il apprenait là où il se trouve aujourd'hui, ouais. Se retourner sur sa tombe puisque c'est Sassou qui l'a tué. C'est Sassou qui l'a tué. Les enfants sont là, non? Ils ne peuvent pas se venger contre Sassou, contre leur père. Ce sont ces enfants de Marien Gouabi qu'on voit qui coctinent encore avec Sassou, non? Il appelle même papa. Un assassin qui a tué votre père. Je ne pense pas. Et puis même pas ça, au mausolée Marien Gouabi là-bas. Sa tombe encore n'est même pas là-bas. Pendant même les guerres de 97, ils ont tout fait. Ils ont tout fait disparaître. Nous avons affaire à des fous. Des fous qui veulent tout faire disparaître. Les emblèmes, les symboles et tout ça. Laurence Bayonne, bonsoir. Que Dieu soit avec tous les gouverneurs Congo et les deux rois Congo. Thank you very much, appreciate. Mwana Pantan, Mwana Njinji, bonsoir à tous les enfants du Congo. Livia Giga. La première fois que je vois Livia Giga. Bienvenue dans le show. Paulin Jacob, bonsoir à toi Paulin. Makossi. Tous les Congos réveillés et fédérés Mbote. Tante dit Mbote Zako. Aussi Mbote Zako. Éléonore Goma, bonsoir à toi. Éléonore Goma, bonsoir Makossi. Merlin Nyombo, Mbote Yengi Tate Dim, à tous les peuples Congo qui vivent dans le fédération, dans le monde entier. Vive la FK, vive la Fédération Congo Ngueta. Ngueta. Les gens disent Ingueta. C'est pas Ingueta. Ngueta. Mais tu as l'impression d'entendre Ingueta. Ngueta. Ngueta, c'est Ngueta. Ngueta. Ingueta. Non, c'est Ngueta. Donc, tu as l'impression d'entendre un i au début, mais c'est Ngueta. Ngueta. L'abréviation de Ngueta. Ngueta. Un fouan pour Ngueta. Bon, vous savez, tu dingues. Ensemble, mieux. Voyez, non. Marcel Bukombu. Bonsoir. C'est bon documentaire que j'ai regardé plusieurs fois, mais ce qui me fait plus mal, c'est l'attitude muette des journalistes africains présents. Mais il y a beaucoup de gens africains qui peut-être méprisent, qui connaissent pas l'histoire aussi, hein, mais qui sont derrière la richesse en tant que telle, matérielle. Mais quand tu es derrière la richesse matérielle, ça montre complètement ta pauvreté, parce que la pauvreté est d'abord intellectuelle ou intellectuelle ou morale. Tous ceux qui sont derrière les richesses matérielles, ce sont des gens pauvres. Parce que le pauvre veut toujours s'enrichir au détriment des riches. Ce qui se passe quand on voit de la prédation des matériels, des matières premières, c'est la pauvreté mentale. Vous comprenez ça? Donc, ceux qui sont riches ne sont pas nécessairement riches. Ceux qui sont riches en réalité sont pauvres parce qu'ils ont une pauvreté, un complexe d'infériorité. Et pas de, ça dépend de voir comment on voit les choses. Mais à l'allure où je vois ça, les prédations, c'est juste la pauvreté mentale. Tout ce qui est relation, tout ce qui est prédation, matière première, ou vol, même allez, vol normal chez une personne, ou bastonnage, ou bagarre, c'est juste de la pauvreté mentale, sur toutes ses formes. Parce que tout ce qui est mental touche au physique, parce que le mental conditionne le physique, le mental précède le physique. Donc quand tu vois les vols, les prédations, c'est
la pauvreté mentale. Mais c'est pas facile à comprendre parce que l'être humain, celui qui est pauvre, est toujours là à cesser toutes les paroles du monde pour se faire pardonner, pour faire quoi qu'il est riche. Vous voyez? Ashley Laurent, bonne nuit et dîme. Depuis que tu es sur YouTube, je ne sais pas comment commenter. Comment ça commence à commenter? Ben, tu es en train de commenter là. C'est là. Je lis tes commentaires. Je connais maintenant, d'accord. Ashley Laurent, c'est moi, Makila, ma belle. Ok, il n'y a pas de souci. Merlin Nyombo. Les Congos doivent impérativement prendre leur destin en main, signant la pétition vivement. Non, on doit prendre. C'est-à-dire que les gens, on doit terminer avec. Nous, Congos, sommes un peuple avec une riche histoire, livre écrit. Nous sommes riches en histoire, riches en terre, riches en beaucoup de choses. Si tu es Congo et que tu refuses ce que tu es, bête. En ce qui nous concerne, moi, je préfère mourir que vivre avec ces gens-là. Ils ne sont pas, qui prennent pas nos affaires, mais eux, ils vont quitter nos terres de mon vivant là. Ils rigolent. Je vais lire encore. Marcel Bokongo, le premier blanc qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo est Diego Cao en 1982-84. Non. Qui a découvert? Le premier qui est venu voir ça parmi les gens, il n'a rien découvert. Il est venu pour... ça existe, ça existait déjà. Toujours s'accaparer des histoires, des choses, des gens. Delphin. Comment possible? Emmanuel Macron est là et, à mon avis, le plus cancre des présidents français que je ne connais, que je n'ai jamais vu. Bon, ça, c'est l'opinion de tous les Français. J'essaie de lire leur truc là. Mais bon, moi, en ce qui me concerne, je lis les traités, les accords, je lis les documentaires, je suis dans l'histoire. L'histoire ne trompe pas, l'histoire ne crée pas des problèmes aux gens. Qu'est-ce qui se passe là? Ça là-bas ou quoi? Ah là. Téléphone est ouvert. Là. Donc voilà quoi. On a beaucoup à faire, on a beaucoup à former. Toujours est-il que nous connaissons notre histoire. On ne voit pas ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Ce n'est rien à voir, ça n'arrive. Parce que les Mboshi pensent que c'est quelque chose à voir avec eux. Non. Nous avons été perdus sur le cours de chemin. Nous avons retrouvé notre histoire. Et eux ici doivent retrouver leur histoire. Faut pas qu'ils puissent nous coller tout le temps. Ils prennent notre histoire, ils mettent ça avec la leur. En 1958, il y a eu d'abord machin. Et il y en a qui se proclament là-bas, qui disent qu'ils connaissent l'histoire. Ils connaissent les Congos. Mais comment vous pouvez dire que vous nous connaissez? Ils pensent que nous, on a commencé à vivre là, les Congos, en 58, quoi. Quand il y a eu les Kungangot, quand il y a eu les Opango. Opango qui n'était même pas. Opango, là-bas, il était teke. C'est pour ça que vous voyez que les Mboshi ne parlent jamais. Les Mboshi n'ont aucune histoire là-bas. Ils veulent s'accrocher sur notre histoire. Alors, c'est nous qui les avons même mis dans les gouvernements, là. On a fini notre journée. Et l'association Ibundi Yabakent Yakongo, le retrouvaille est un somptueux. Mais bon, essaie de nous envoyer des captures d'écran là. Hein. Tout ça, vous avez quand même pris quelques photos là. On va faire voir aux autres. Voilà quoi. Donc c'est ça. Nous, on va passer, on va revenir demain parce qu'apparemment, il n'y a pas d'appel. On est samedi.
On va écouter là comme musique là, avant de partir d'ici là. Tu me payes en biji. C'est un peu de balancer l'atmosphère. Parce que je me payes en biji, t'es la maneko. Je sens que t'es la maneko. Allô. 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir. Gouverneur. Tu me reçois là? Oui, je te reçois. Et toi? Ça va. Parce que parle un peu plus fort là, parce que on est en ligne là. Ah, d'accord. Attends, je vais enlever. Je vais le faire sur le char. On est en ligne, hein, pour parler un peu plus fort. En direct. Allô, tu m'entends mieux comme ça? Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Oui, j'avais le casque avec moi. Mmh. En tout cas, bonne prestation pour ce que tu viens de faire là. En tout cas, très très bonne prestation, j'ai apprécié. Mmh. Et je voulais juste rajouter deux, trois mots hein, concernant Tantoum. Mmh. C'est vraiment... un usurpateur déjà. Ah, ça. C'est un usurpateur, un traître, un débrasiste. Voilà. Voilà. S'il a été placé là exprès par Mathurin Limbouchi pour mieux gérer le génocide des Congos. Ah, ça. Il se retrouve avec le sang des Congos sur les mains. Sur les mains, oui. La justice fera son, suivra son cours, comme on dit. Il a vraiment le sang des Congos sur les mains. Ah, il a le sang des Congos. Ah oui, il y a beaucoup de preuves contenues, il y a beaucoup de témoignages, il y a des photos, il y a des vidéos. C'est à lui de savoir comment il va s'arranger avec ça. Parce que nous allons le traîner en justice, hein. Ça c'est clair. Ah ben ça, ben oui, tout à fait. C'est clair. Tous, avec tout le monde, sans exception. Ils vont tous faire la justice, un à un. Sans exception. Tout à fait. Sans exception. Ah oui. En tout cas. Ils doivent nous dire, ils doivent nous expliquer. Et apparemment, en dehors de Tantoum, il y a aussi, il doit y avoir des acolytes avec lui aussi. Hein. Tout ça là, c'est, les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours, il y a tout le bataillon. Ils vont tous faire la prison, ils vont tous être jugés. Un à un. Il n'y a pas question ici, là, aller chasser Mathurin, et lui, il n'est pas jugé. Lui, c'est qui? Et tous qui ont participé de loin ou de près doivent être arrêtés. Tous se retrouvent avec le sang Congo sur les mains. Doivent répondre. Ils doivent répondre à la justice. Ils doivent répondre, oui. Ils n'ont pas affaire à nos parents, là, leurs amis, là. Nous, on va les mettre en justice et ils vont servir d'exemple. Pas tous. Tout à fait. Mais je veux m'arrêter là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, bonne soirée. Et en tout cas, encore merci. Hein, merci beaucoup pour l'ouverture d'esprit, pour la clairvoyance. En tout cas, merci. Merci beaucoup même à tous nos libéraux, là y compris. Il y a beaucoup de trucs là que je vais lire ça au fur et à mesure. Hein, la topographie là, ils doivent savoir qu'est-ce qui est dedans. On a beaucoup, c'est-à-dire qu'on est assis, c'est-à-dire que toute cette partie là est assise sur un gigantesque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place en Afrique depuis Kinshasa jusqu'à partout là-bas, jusqu'au Burundi là-bas. Il n'y a pas de richesse. C'est comme si on était assis
sur un verre. Tout le long, il n'y a que des richesses, tout le long. Mais d'où la présence de tous les Occidentaux. Hein, exactement, le exactement. Et ils ne veulent pas nous lâcher. Hein. Ah ça. Ils ne veulent pas nous lâcher parce que... Ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'eux, ils font comprendre aux gens qu'il n'y a pas de richesse là-bas, nous sommes des sauvages. Mais quand tu regardes même l'histoire, parce que c'est là qui est contradictoire, quand tu regardes l'histoire, tout a commencé en Afrique. Et tout tourne autour de l'Afrique. Toutes les guerres, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à présent, ça a été financé avec l'argent de l'Afrique. L'esclavage a été financé avec l'Afrique. Au bout d'un moment, vous aimez les gens qui parlent avec vous, à quoi ça sert? Parce que tu le veux ou non, malgré les campagnes qui ont été lancées pour détruire les Africains, ces campagnes, jusqu'à présent, se sont retournées contre tout le monde. Parce que eux, jusqu'à présent, il y a une chose qu'eux oublient. Ils croient que la malédiction n'existe pas. Et pourtant, ce sont des mots qui sont français, qui ont une connotation existentielle. Donc aujourd'hui, quand on tue les Africains, ceux-là qui tuent les Africains, ils deviennent maudits après. Il y a cette posture qui fait que le fait qu'ils sont arrivés, ils ont pris l'ascendant, ils ont commencé à vendre nos frères, nos parents, nos ancêtres. Ils se sont mis en terrain conquis. C'est ça. Aujourd'hui, si tu leur demandes de traiter maintenant d'égal à égal, en fait, nous, on peut le faire, mais eux, ils ne pourront jamais le faire. Mais le problème, c'est qu'il faut voir, les conséquences. Tout gratuitement. Il faut voir les conséquences de tout ça. Aujourd'hui, on est en train de parler de la démographie. On dit ici que en Afrique, telle année, en tel mois, il y aura tels enfants. Et d'Afrique, il y a trop d'enfants. Les Africains vont être évolués. Mais pendant qu'on essaie de réduire le nombre d'Africains, il y a beaucoup d'Européens qui meurent. De maladies, de suicides, de ceci, cela. Mais tout ça, ce sont les conséquences de ce qu'on appelle la malédiction. Ça existe, ces choses-là. Le plus qu'on cherche à exterminer les Africains, le plus on extermine sa propre population. C'est même pas miraculeux. C'est une balance, c'est une autre façon de faire l'équation. Quand tu regardes à travers le monde, tu vois. Mais si tu n'es pas assez intelligent, tu ne peux pas comprendre que tu es en train de perdre ta propre population en voulant faire du mal aux autres. Du mal aux autres, tout à fait. Ce n'est que logique. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Ben oui. À force de faire du mal aux autres, ben voilà, leur population ici vieillit. Ça vieillit. La population européenne, elle est très très vieille. C'est ça. Et quand tu ne gardes pas les bonnes relations, qu'est-ce qui arrive après? C'est ça le problème. Alors, il faut commencer à changer les choses différemment. Il faut penser autrement. Parce qu'il y a des gens qui s'aiment ici, il y a des gens qui ont des amis. Il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui ne sont plus racistes, mais le racisme là qui est dans le fond là-bas de l'État, là, il faut couper ça au milieu. Hein. Mais en fait, de voir les choses comme avant ne veut pas dire être raciste. Ah oui, hein. Ah non. Vouloir se traiter d'égal à égal, ça ne veut pas dire que voilà, on est raciste. Mais eux, ils voient ça dans ce sens-là, en fait. Mais c'est ce qu'on appelle, ici. Comment j'appelle ça? Moi, je dis que. C'est la pauvreté intellectuelle et mentale. Tout à fait. Ils ont pris quelque part l'ascendant et ils veulent maintenir le statu quo. Mais sauf que c'est pas possible. C'est plus possible. Le statu quo là. C'est plus possible. L'ascendant. C'est ça en fait. Le problème, il faut se rendre à l'évidence, c'est que c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Ah mais ça. Avec la jeunesse africaine que je chante de voir là, même si c'est pas nous là, d'autres vont faire la même chose. C'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Il ne faut pas être que si tu es un vrai politicien, si tu es quelqu'un qui a la vision, avec même les livres que les autres écrivent là, hein, les Français eux-mêmes qui en sont écrivent des livres, avec ce que Chirac disait, tout ça c'est des paroles. La relève est menant à la nouvelle classe politique européenne ou occidentale. Si eux ils veulent faire les mêmes erreurs que leurs parents, ça le voit. Donc voilà quoi. Ils savent, même eux écrivent, hein, la chute de, comment tu appelles ça, de l'Empire français, c'est pas nous, même les journalistes d'ici, hein, l'écrivent. Hein, que voilà, moi, en tout cas, fini, en ce qui me concerne, c'est la fin du cycle. En ce qui me concerne, moi,
que l'Empire chute ou pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les miens. Je veux que les miens soient bien. Ah, c'est tout ce qui m'intéresse. Eh oui, tout à fait. Tout reste à fait. Et de toutes les manières, avec toute la vérité qui surgit comme ça, là, ça ne sert même plus d'attendre. En fait, ça ne sert à rien d'attendre quelque chose d'eux. Ils veulent garder cette posture-là de, hein, d'avoir de l'ascendant sur nous. Nous, en fait, s'il faut chercher à coopérer avec d'autres pays, autant mieux le faire. Parce qu'on ne restera pas à les attendre. On est nous, on a c'est ça pas entendu tout ce que je t'ai dit. Nous, la fédération, nous sommes frais. Nous sommes prêts déjà. Maintenant, un État, l'État fédéral du Congo, tout, donc, s'il y a des choses qui doivent se passer sur les terres, c'est avec nous. Tout contrat qui sera signé là-bas est nul et non avenu, là-bas. Sur nos terres, Congo. Ça, c'est clair et net. Et nous allons les dégager de là, de gré ou de force. Du moment que ce n'est pas dans l'intérêt des nôtres, ça ne sert à rien de signer. Voilà. Ça ne sert à rien. Tout à fait. Mais bonne soirée, Tata Gouverneur. Je ne vais pas garder longtemps l'antenne. En tout cas, merci encore et à bientôt. À bientôt, merci. Ok, ciao. Bien. Donc, l'Entoumi, tout ce monde-là doit subir la justice. Caroline, je viens d'envoyer les photos sur Messenger, ok. Regardez ça. Alors, monsieur Madouma. Bonsoir, monsieur Madouma. Nous avons un revenant là, monsieur Madouma. Bonsoir, monsieur Dirikaye. Bonsoir, bonsoir. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est exprimé ici. Bon. Eh bien, beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage que tu as vécu. Bon, tu as surmonté. Et bon, voilà. C'est une guerre. On est en guerre. Moi, je vous ai toujours dit que. Il ne faut pas être surpris parce que vous serez toujours attaqué. Voilà. C'est des gens qui sont habitués au miel et au lait. Ce n'est pas leur pays. Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte que ce n'est pas leur pays. Parce que ce qui s'est passé il y a 2 semaines à Washington et à Atlanta, à voir vos 2 frères en train de jubiler comme ça, et je pense que ils étaient pas du tout calmes à Brazzaville. Donc, moi, j'ai suivi ce que soir. C'était vraiment, en tout cas, vraiment préoccupant. Avant-hier soir, donc, ouais, plutôt. Ouais. Il y aura, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons effectivement vers la mise en place, le déploiement maintenant de la fédération. Et je vous dis, ce n'est pas un incendie qu'on verra à Pointe-Noire, hein, mais il y en aura 2, 3 ou 4. Ils vont incendier. Hein, ils vont incendier beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ah, beaucoup de choses. Et seulement, parce qu'ils ignorent que tout ce qu'ils vont incendier, eh bien, ça sera noté. Et ils vont payer, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà. Donc, ils vont incendier. Bon, maintenant, pour rebondir sur ce que vous avez dit ce soir, je crois que la question de ce soir, vous traitez sur les matières premières. Sincèrement, c'est un sujet extrêmement important. Parce que ça pose des questions sur nos propres relations à l'intérieur de la Fédération Congo. Heureusement que vous traitez moi, des problèmes toujours en prospective. Et donc, c'est très bien. C'est que moi, je l'ai dit ici, voici à pratiquement 2, 3 mois, 4 mois déjà, j'avais dit que la carte géologique
du Congo-Brazzaville avec C, et surtout celle de la Fédération, est une carte géologique complètement erronée. Elle est totalement fausse. Tout à fait. Elle est fausse. Tout à fait fausse. Totalement fausse. Mmh. Absolument fausse. Lorsque vous allez prendre les manettes en main, d'ici là, disons maintenant le pouvoir en main, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on n'a plus peur à le dire maintenant, on le dit proprement, le pouvoir. Et je crois que l'un des problèmes que vous allez chercher à traiter profondément, c'est d'organiser cette carte, cette nouvelle carte géologique. On a des géologues Congo qui sont formés aujourd'hui hein, dans les universités françaises, américaines, ainsi de suite. Dans ma propre famille, j'en ai trois. Dans ma propre famille, j'en ai trois. Voilà. Donc, ils sont là, ils ne travaillent pas, les pauvres, mais ils auront là une chance inouïe pour pouvoir nous dire, bon, à Pangala, il y a ceci, c'est là. À Njinji, il y a encore autre chose. Hein. À Mossendjo, il y a cela. À Divigny, il y a ceci, cela. À Sibiti, il y a telle chose. À Muyondi, il y a telle chose. Voilà. À Zanaga, il y a telle chose. Oui, voilà. Voilà. Oui, à Zanaga, hein, avec le fer déjà, il y a pas autre chose. Il y a le fer là-bas. Ouais, voilà. Donc, il faut prendre au mot Sassou Denis Mathurin qui a été envoyé chez nous pour pouvoir effectivement servir les intérêts des autres. En 97, quand il a fait son coup d'État, il avait dit ceci: le Congo est trop précieux. Nous ne pouvons pas le laisser à n'importe qui. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, c'est trop précieux pour eux. Ah, bon. Et avant-hier, tu as encore fait voir des images de leur loge, parce qu'ils disaient que voilà, je veux tout mettre en œuvre pour servir cette grande loge. Donc voilà. C'est ça. Ils s'en cachent. Oui. Ils s'en cachent pas. C'est nous qui rêvons. On croit qu'il va changer. Non, ils s'en cachent même pas. Ils s'en cachent même pas. Donc il est toujours en mission. Et l'autre mission, hein, aussi fondamentale que ça, c'est de servir son propre son pays d'origine. Voilà, et le Bénin. Et le Bénin aujourd'hui, elle ne paye pas l'essence. Vous comprenez? Mais oui. C'est lui qui livre le sens. Il ne paye pas le sens. Mais exactement, c'est gratuit. Bon, Patrice Talon qui est en train de faire des miracles là-bas en construisant ceci, cela, ceci, cela. Mais l'argent, ça vient du Congo. Même la Côte d'Ivoire nous doit aussi de l'argent. Oh là là! Dans son trafic nous doit de l'argent. Beaucoup, beaucoup. Au moins sur ce plan-là, Ouattara l'a dit il y a 2 à 3 ans. Nous avons les vidéos. Vous pouvez donner le budget des États-Unis à Sassou Denis Mathurin, il ne fera rien de bon de cet argent-là. Donc, il connaît l'homme. En plus, bon, c'est son frère, vous comprenez. Alpha Condé, c'est le même clan. Vous comprenez? Donc, je vais rebondir sur ce fait d'argent-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question que j'ai soulevée déjà avec vous, en tout cas plus d'une fois. La récupération de l'argent est une nécessité pour nous. Vous ne pourrez pas atterrir en Djindji, je le redis tous les jours, les mains vides, et surtout... allez à la Banque mondiale, FMI, et s'endetter, c'est pas possible. Si vous le faites, c'est que vraiment en tout cas, tout le travail abattu aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Moi, je vous vois que dans les 5 prochaines années de la transition, peut-être 5, 6, 7, 8, 9, hein, à 10 ans peut-être, la fédération ne doit pas s'endetter à l'extérieur. C'est pas possible. Parce qu'il y a énormément beaucoup d'argent à récupérer. Et un exemple simple que je peux dire maintenant aujourd'hui,
au jour d'aujourd'hui, les petits les calculs hein, que chacun de nous fait aujourd'hui, nous avons déjà au moins, disons, au moins 32 000 milliards de francs CFA. Donc, c'est très mince par rapport à ce qu'il faut prendre. 32 000 milliards hein, qui vont tomber facilement entre nos mains. C'est l'argent des générations futures. Hein. Bernard Pongui a dit que c'était... C'est pas 32 000 milliards, c'est 100 000 milliards. 100 000, non. 100 milliards, c'est non. Plus que ça. Non. Non. 100 000 milliards de dollars, c'est le total qu'ils ont volé. Ils ont volé. Mais, voilà. Bon, l'argent des générations futures, c'était pas 30 000 milliards à part. Parce que c'était, on avait déjà enlevé le budget. C'était ça qu'ils avaient mis de côté. Mais entre-temps, il y a eu de l'argent qui a été injecté dans l'appareil de l'État, qui a été aussi dilapidé. Quand on parle de générations, là, les gens pensent que c'est l'argent un peu, mais c'est basé sur plusieurs budgets. Si les gens préfèrent calculer, c'est énorme ce qu'ils ont volé là, ces gens. Mais c'est énorme, effectivement. C'est pour cette raison-là que je vous dis que vous, les responsables de la fédération, si vous arrivez à Ndjindji dans les mains vides ou bien alors les mains pleines avec de l'argent venu hein, de la dette, c'est une erreur terrible. Parce qu'il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent à ramasser. Parce que ils ont tellement volé. Un exemple simple. Moi, je le dis ici souvent, que nous allons ouvrir beaucoup de caisses. Il y a beaucoup de caisses à ouvrir. Mmh. Et nous savons que toutes ces caisses-là, elles sont vides. Mais si on prend un exemple précis, celui des lois des finances qui sont donc votées, hein, des budgets hein, que tu évoques là, ils votent tous les budgets. Ils les exécutent. Et il s'avère que un budget n'est jamais en équilibre, jamais du tout. Donc, ce qui manque constitue hein, la dette, effectivement. Ils vont chercher à la dette ailleurs. Et ces dettes, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est du PCT, vraiment, et de Mathurin, ce n'est pas une contrainte, en tout cas pour eux. C'est plutôt une recette. C'est l'argent qu'ils vont avoir. Ailleurs et qu'ils mettent dans les poches puisque les réalisations sur le terrain n'existent nulle part ailleurs. Donc si on prend les 25 dernières années, il y a eu 25 lois de finances, et c'est dire que chaque budget n'a fait que tout simplement enrichir les gens hein, alors que le pays a coulé totalement. Hein. La preuve, ah oui, la preuve, c'est le Sud. Hein. Hein. T'as qu'à regarder, deux voies ferrées ont été saccagées, toute l'école saccagée totalement. Totalement. Hein. La santé saccagée, tout. Bon, donc rien que pour les lois des finances, vraiment, les gens vont s'asseoir et il y aura un sourire, quoi. Il y aura un sourire parce que il faudra non seulement additionner les impôts et les taxes et ajouter l'argent de la dette. Parce que pour eux, et ça, beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, c'est que pour les Sassou Denny, la dette n'est pas une contrainte. Hein? C'est une recette pour eux. Voilà. Voilà. Donc, il faut ramasser tout cet argent, il faut tout noter. Et le moment venu, hein, pour que vous puissiez travailler pendant au moins les 10 premières années sans endettement, sans aucun endettement, rien. Donc, on va travailler avec de l'argent propre. De l'argent propre parce que vous aurez une armée à bâtir. Il faut équiper cette armée, la police, hein, les services de douane, tout un État à construire. Et si donc vous commencez par construire l'État dans un endettement inimaginable, c'est un échec total. Là, on a la chance d'avoir de l'argent.
on va récupérer cet argent-là. Moi, je le dis tous les jours, pourvu qu'on soit unis. Cet argent rentrera proprement au trésor fédéral à Ndjenge. Ça, c'est certain. C'est tout. Pourvu qu'on soit vraiment décidé à le faire, et on va le faire. C'est tout. Donc, voilà à peu près ce que j'ai et je voulais vous dire ce soir. Et puis, il y a un problème que je veux évoquer ici par rapport à ce qui va arriver. C'est que Mathurin, ils le veulent tout simplement en ce net moment. Ils veulent massacrer les gens comme ils l'ont fait en 2016. Bon, s'ils ne sont pas passés à l'attaque, hein, je ne sais pas pourquoi, mais sur les trois groupes que tu as eu à décrire hier soir, l'autre groupe voudrait vraiment passer à l'attaque. Alors, moi, je vais attirer l'attention des Congos qui sont surtout dans les zones rurales où il y a beaucoup d'enfants, et ces enfants-là, il faudra qu'on les protège. Il faut protéger ces enfants-là qui sont dans les zones rurales. À la limite, le jour où ils vont attaquer, il faut envoyer les enfants en forêt, ainsi de suite. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire ce soir. Tout à fait. C'est très important. Voilà. Que l'armée, façonner vraiment cette armée-là. Voilà. Voilà. Ça, je vous remercie. Hein. Coutume et tradition. Bernard a dit que l'armée sera décentralisée et la police aussi. C'est une grande victoire. Ah, ça. Donc voilà. On fait comme ça. Merci vraiment. Beaucoup, monsieur Mabille. Merci beaucoup, Edim. C'est moi. À bientôt. Nous sommes en guerre. Hein? Nous sommes en guerre. Il y a des gens qui sont en train de dormir là-bas. Ils veulent massacrer les gens. Ils veulent faire la guerre. Donc, il faut les donner. Il faut les finir avec eux là-bas. Voilà quoi. Johan Johnson, comment vas-tu là-bas? Bien quoi? Regardez vite fait les photos avant de terminer ici. Messenger, tu dis, hein? Je vais voir aussi. J'ai mis beaucoup de photos. Ils ne sont pas là. Je vais les mettre. Oui. BP, comment? Allô, Edim, comment vas-tu? Tranquillement, tranquille. Ah bon. Mais écoute, mon gars, mon Koutouba. Samba banya beto na bwale beto kuna na kacha mpanga la kuna sibiti na lubomo na diveni kai na madu banike na kacha utete mombelo ha na bampanga beto kuna na madia kunpea huu wako na lulombo kuna bampanga luambo ya luango waku amun bien na mazonza wa tu wange mekuiza zonzi mamia bimvwama faso bete na kusalaka bete zonza mabibi mvua pintama ke bantoti ya bete nyosu ilbenke talayi na federation ya Kongo na yaki ya kutsaba mvuama hindu tata nzespet bi mvuama ina ba mboshi na banti ya zulu bame kusala kintuadi na ba banti ya pampidu me lutisi ba machine ya bau esha ba mindele nyosu metala bi mvuama tu bame sonik leri ya betu na uzunza ina mutima za uzunza bizizi ya bimvuama bizungi ya betu nyostu ya mpanga la buwenza nyadilo kumulu wango
kena ma bokia bamboshi ni kun ben metal ba me kum nek bi law ben metal mais bet aussi bet kena bi jijina metta yukuna bet aussi bet kotaka na kusumani na banche bet parce que na mayele ba ya kele akufwa bet ba manis beto samba ba nat manche ici ya nzenza ba salamuti ngwabi ngwabi salaka inan bakak banto cha beto ya kabinda en pesaka ya ba yan tiksa na banche ya ngola metta meno ba os e banto cha kabina mekuma banto cha inchi ya nzenza ya ngola e banto cha imbi ya bantoti ya Mpangala ya Bwenza Nyadina lukumu ya ngesosko pesa na banchi ya Rwanda ya Kagame yenga na kutala donk bitu na kutani na situation ya komplike ya, ya beti na bazongole na bantoti ya Kabinda na bantoti ya beti ya Mpangala Bwenza Nyadina lukumu ya kuiza kutula banchi ya Rwanda na kachi imbi titala mambi na na inapeta zanzambu za luengisa na kuvutu ni misiki ya Bakongo e bame salma yela salabit muzingu ya mantweki tete na mutini bake manisi betu malia malembe wa bifu ya imbi na bakento na bantwenya bandumbi ya betu kuna tulaba bivumu kidiki kuna pesaba malati ba usiki pesu malati na bantwenya ufu abetu na balupitalu kumanisi babisalu kumuangisa kumuangisi betu kukutuli betu ndingi ya bao ndingi ya bao masoba kaka ba mindeli salaka betala diam nyo se betme kuis betme long benya mutin bak longa mambi anzam betme tatam nanzile bame kuis pes bame ku salbeto ba proposition pes ba mbong ya mingi metu beve betme manga betme talandandi ya bet nyo stu ba kongo betme zons in toi di tin an sukuf betme kuis lom na beno ku salinsi betme tout benyemo bet kuenen tam neki ba kulunta betke na kutala jet mani luvuna luvuna Ntumi, peut-être que nous avons bien Ntumi de Pintama, Moutine Tata, un gouverneur, qui a Mpangala, qui a été en Ntumi, te muncha mbau, ni ke muncha ici en Zenz, et nous sommes là. Ntumi, qui a été en Zenz. Qui a été en Fédération, qui a été en Ntumi. Ntumi, qui a été en Yombe. Je me dis, je suis en Kotisan Kuna, qui a été en Boke Bao, qui a été en Beto. Ntumi, qui a été en Bingisan Kuna, qui a été en Tungudu. Baptistère, bah ignore tout. Maintenant, le papier prévient n'a qu'à t'enfouler, n'a qu'à t'empasser, n'a qu'à t'amayouer, n'a qu'à t'aloufou. La contre-canon. Il me voit, mais va Congo. Il va en tout, il va Congo. Il y a qui est à Congo. Va Moutindo, il me voit, mais marqué à Boussin, il a marqué à Tanzanie, il pèse bientôt. Et bête qu'on a qu'on a Yaoula, qu'on a Dila. Bête qu'on a Kangaman, bah ici, en Zenza. Va Moutinia, mate. Oui, mais qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on Et baba qui a kukanga mais baba qui n'toi il est baba moche. On mettait même mais on kukébéné mais quoi n'a si qu'il y a média y a bas ou y a makoso sir on t'y a un vendu makoso sir. Vendu. Et on est quoi un zonzo mais on kukébéné qu'ils ont oh non banche à zoul pendant que t'allais en passer banche à ici mais doit on kukébéné gué na t'allais nous sonner ben gué na t'allais ben nous sonner vraiment gué ça m'a besoin de tenir mon moche. Ça n'est pas moche. N'a pas contrôlé Beno. Donc, Baba qui n'a pas de passé, et Baba qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de mani, mais on ne fout pas, on ne fout pas. Mais on a travaillé la colonisation, on a tout fait. Il y a des gens qui ont fait la façon dont on a fait la personne qui a fait la ngolo. On a fait la personne qui a fait la personne qui a fait la ngolo, on a dit la personne qui a fait la personne qui a fait la personne qui a fait la Bambosh, na bancha Zulu, na ba bancha Pompidou. Baga na talave ke yin ke so, yo kuma Sodome na Gomore. Baga na ku mengi ya Bantu. Kote, binzambi ya ba me kumena kuna. Baga na kutalave. Si binzambi me kumena, ndando ba Bantu ke banani wapi. Kakudila, manyongo. Kala bantuenya nyonso, kisali me kumka politik, ya kwenso sumbongi ya muhibi ya luvunu. Na didili ya ngena munu.
Peut-être qu'on a tout la baignao. Peut-être qu'on se moutine maintenant bien grave au talabeto. Et on va m'fumi en panga la kai, n'y a dit bilangi na mounou, il y a pongi, m'fumi à Bouenzana et le Kumu. Yavan ba mama Olga, yavan da batata zinga, yan tete na ma koso ya tanu kuna na luango. Peut-être qu'on se kena intime, eh, moussi, peut-être qu'on a dit tan anzil moussi. Peut-être tout bas que, ba yon se kou telan oxus kanzil en tete, peut-être qu'il y a yoku ba ya moyo, n'a kate mantoti. Donc, il y a un peu de temps. 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 Il y a un Menga, besoin de son royal. Bet nions tout. Ndandia bet nions tout. Si mes bêtes en mode Kaboula, yaki ya Kaboula, yaba Kong. Ben metal, bet nokum bamputu, babola. Beka kena ku comprendre, kena ku bakula mambia leve. Anyongo, fouamisa, kika kena kacha makanda. Baywa moutinge, betke zone moutim, kena tubana matadi. Bet nokum matadi, na beno, ben mos bancha beto. Mais, merci beaucoup. Merci. Abou Pia. Ah là là. Bon. Marcel, tu avais appelé, je vais rappeler. Hein, je vais rappeler Marcel Boucan. Marcel Boucan, vous avez rappelé tout à l'heure. Rappeler. Allô. Faudra baisser le son là-bas. Faudra baisser le son. Je rappelais, hein, vous avez appelé tout à l'heure. Hein? C'est Dim, faut rappeler, faut baisser le son. Ouais, je veux rappeler, j'avais un peu oublié de numéro. Au lieu d'appeler sur le numéro. On est en ligne, donc c'est pas la peine. Ah bon? On est en ligne, on est en direct. Oh, c'est bon. Merci. Il a complètement oublié qu'il avait rappelé qu'on le rappelait. J Coaching, what's up? Comment vas-tu? Hélas, nous vraiment Sodome na Gomorre, c'est sûr. Là-bas, il n'y a que des Donbass, là-bas. Il n'y a que des Donbass. Donc voilà quoi, les gens. Il est minuit, là. Téléphone. Allô? Allô? Oui. C'est bon, il n'y a pas d'écho? Non, il n'y a pas d'écho. C'est parce que je disais que vous étiez pas, fallait baisser le son là-bas. Non, ça va, là, c'est mieux. Bon, voilà, merci, merci beaucoup. Allô? Oui, je t'entends. Faut baisser le son de la télé. Ouais, mais j'ai pas de télé, j'ai tout juste. Attends, je vais fermer ça. Oui, allô? Oui. Ouais, donc j'avais tout simplement utilisé un numéro qui n'est pas celui que tu affiches là. Donc voilà pourquoi je crois qu'il y a eu refoulement. Bon, voilà, merci beaucoup pour la réception. Là, j'ai bien suivi vraiment l'émission. Je commence d'abord par saluer tous les Congos et puis leur inviter à être très vigilant et puis à être soudé. Et Bakouwa Kamalongi papa Edine Kenapesa Beto. Bon, ce qui est vraiment un peu décevant, moi personnellement, c'est que nous on n'aime pas lire, on n'aime pas chercher, on n'aime pas se cultiver. Donc moi j'invite vraiment les gens à beaucoup suivre les émissions que tu fais, parce que là tu nous as parlé de la richesse du Congo d'une façon profonde et générale. Mais papa a dit, moi je peux vous assurer que le sujet que tu as soulevé là, moi je le connais. Je le connais pas théoriquement, mais pratiquement.
parce que j'ai conduit en 2011 une équipe pour une exploration minière au Congo. Mmh. J'ai conduit ça, j'avais des géologues au lycée, j'avais des géologues du Congo, et j'avais un géologue du Canada. Mmh. Et j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas géologue, je suis là, mais j'ai appris beaucoup de choses en tant que vétérinaire. Mmh. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous assure que le Congo est riche. Oh. Très riche. C'est un scandale là-bas. C'est un scandale. Vous allez voir que même du point de vue financier, tu vois, les gens, ils sont en train de faire planer un peu de peur. Mais non, le peu qu'on peut avoir, parce que lorsqu'on va emprunter, c'est pour faire quelque chose. C'est ce que tu vas emprunter pour aller cacher dans d'autres banques. Là, tu ne peux pas réussir. Là, la dette, tu crées la dette. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur dans le conseil quand vous allez vous réunir. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on aura beaucoup d'argent. Ça dépend comment est-ce que vous allez négocier avec les gens qui vont nous soutenir. Mais l'argent, lorsqu'on va prendre l'argent, si tu prends l'argent pour aller mettre dans un gouffre, c'est là où c'est évident. C'est un scandale, le Congo. Oui, on est beaucoup riche. On est beaucoup riche. Trop. Énormément riche. Parce qu'on est... Moi, j'ai écrit des documents seuls ici, là, la nuit. Des gros livres comme ça, des trois pages. Parce que dans les mines, tu fais d'abord l'exploration. Mm. On a dit là, tu recherches les premiers indices qui te permettent. Tu demandes la recherche. Et après la recherche, tu vas dans la production. Mais c'est des choses que moi, j'ai pénétrées, j'ai appris. C'est donc incroyable. J'ai appris que notre pays a des ressources énormes. Moi, j'étais en train de lire ça. Il y a des choses là-bas qui n'ont même pas encore... C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore même découvert la moitié des richesses qu'il y a sur les sols là. Mais quand on te parle des terres rares, moi je rencontre des géologues qui me disent « Marcel, moi c'est terre de Pointe-Noire. » Et je regarde. Pourquoi tu veux les terres rares? Allez-y lire dans les journaux, que veut dire les terres rares? Et puis même pour refaire même la carte là, ce n'est pas trop difficile pour avoir les vrais éléments nouveaux. Il y a ce qu'on appelle l'exploration par balayage électronique. Ce sont des avions qui volent à bas à des minéraux qui sont dans le sol, émet des rayonnements. Et ça, donc, on fait une nouvelle carte et puis c'est fini. Mais eux, ils ont une carte moderne, les naturels, ils ont caché ça pour eux. Ils ont caché ça pour eux? Oui, ils ont caché ça pour eux, mais ne t'en fais pas, on va les découvrir. On va les découvrir. Donc, moi, je voulais vraiment exhorter aux Congolais, il faut vraiment qu'on se cultive. Ah, il faut qu'on se cultive. On a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à faire. Papa, il dit, moi, je connais. C'est parce qu'il faut être modeste si je connais. Il y a tellement trop de choses à faire qu'on va même chercher des gens, mais venez travailler à du boulot ici. On n'est pas nombreux. On a une grande surface, on n'est pas nombreux. Est-ce qu'ils ont voulu qu'on ne soit pas nombreux? Mais on est nombreux. La population n'est plus à 4 500 000 habitants. Oui, mais nous, ma papa dit, nous, on est plus grand que le Rwanda. Mais nous, on a une population, même si on ne nous avait pas tué, on ne devait pas dépasser les 10 millions. Voilà. Donc, on est assez... Moi, quand je parle aux gens du pays où je suis, ils me disent, mais comment? Nous, on est comme ça, on est riche, on n'a même pas un peu de désir. De l'eau, on en a en gros. Vous vous rendez un peu comme le fleuve Congo, c'est le plus gros, c'est le deuxième point de vue début du monde. C'est après l'Amazon, un petit problème. Il dit, moi j'ai été au Ghana, je suis parti faire du tourisme. J'ai été au Kenya, j'ai vu le tourisme. Mais pourquoi nous ne fût-ce que le tourisme, on ferait mieux que le Kenya, parce que nous, nos réserves, nos potentiels touristiques sont 10 fois plus que les potentiels du Kenya. Ça, mais... Pourquoi on ne sollicite pas ça? Mais c'est un objet de faire ça avec la fédération. Voilà, on va faire tout ça, ne vous en faites pas. Donc, ce que je tenais à dire, vraiment, papa, il dit beaucoup trop. Il faut nous amener des sujets comme ça, où les gens vont apprendre, par exemple, le documentaire de
Camerounais, là, il était beau, il était très bien. Mais ce que les gens, si tu n'avais pas montré, si tu n'avais pas montré, ça ne devait pas, ils ne regardaient pas. Moi, je cause souvent avec les gens, ils me disent, oh non, c'est trop long. Mais prenez du temps. Faites de ça une distraction. À ça? Écoutez, informez-vous, cultivez-vous, parce que on aura beaucoup à faire. Quand tu n'as rien appris, tu n'as rien dans la main, tu vas aller balayer les rues, même si c'est important, les balayeurs de rues, mais c'est là-bas, tu ne vas pas te plaindre, parce qu'on ne va pas te mettre à une place où les gens, il faut comprendre certaines choses. Voilà. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à dire aux gens, il faut vraiment se réunir, avoir le courage, on est plus loin, on est presque au bout du chemin. On est au bout du chemin, il faudrait qu'on ait confiance en vous. Il faut qu'on vous accepte, qu'on vous aide, qu'on vous épaule et qu'on vous donne des conseils. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire au Congo. Je souhaite une très bonne santé à tous les et on est ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Bien. J'ai presque plus mal, là, bientôt, je vais enlever ça, là. Faire du bien un peu, là. Nilas, vive la Fédération Congo, SK, FSK. Joe Kaching. Une heure douze, Pipo Agarorambo. Partir. Donc, j'ai quoi, le dernier live. Demain, nous sommes le 21. L'anniversaire, c'est le 22. Ceux qui veulent m'envoyer quelque chose, envoyez-moi d'abord un message parce que je dois vous en donner des informations. N'allez pas prendre l'initiative d'ah, je vais faire, comme il s'appelle. Edim Kaï, c'est mon vrai nom, c'est pas un faux nom. Mais j'ai un autre prénom qui vient après ça. Après Edim, il y a un autre prénom là. Oui. Puis il y a d'autres références parce que je voudrais que ça vienne directement sur les. Donc je vous donnerai les références, donc il faudra m'appeler ou m'envoyer un texto. Ou si vous avez déjà fait quelque chose, je peux toujours vous donner d'autres informations. Vous aurez juste à aller remodifier les informations. Et puis terminer. Il n'y a pas de société. Sinon, il y a le PayPal qui est là. PayPal qui est là. Si vous voulez faire un RIA, je vais vous donner les informations qu'il faut. Ça va directement dans. Ça, c'est pour mon anniversaire, hein, le 22 août. Kunjika la ou quoi, ni kou, ta, tanzan. Kabatan, chiko, moanao. Le 22 août, c'est mon anniversaire. Je veux encore naître de nouveau. Born again. Bon. Donc, tu as encore eu quoi? Bah, là-bas, yaya. Je vais partir. Le temps que d'autres vont peut-être prendre l'initiative d'appeler. Ça va prendre 10 minutes. Si vous prenez, vous décidez d'appeler maintenant, ça prend 10 minutes avant que ce que je suis en train de dire que ça arrive à vous. Et il est possible que vous appelez et que j'ai déjà arrêté le show. Il y a toujours 10 minutes de décalage. 10 secondes ou 20 secondes, quelque chose. Donc, tu as croyé quoi? Moi, tu t'es le tatan tumingé. J'irai même quoi. On y bon quoi, Balbaya? Je m'appelle. Bonne nuit. Bonne fin de soirée aussi à toi. Et toi, quoi? J'ai oublié de vous dire. Demain, nous allons essayer d'être live après les. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes. Et tu dis, African Grand Edim Kae, du nouveau son, il y a un retour, il y a un retour, il y a un retour. Au niveau du son, il y a un retour. Ah bon. Ben dis donc. Il n'y a pas de société G-Corting. Donc les gens, prochaine, hein. Voilà, ça c'est Welcome, c'est maintenant qu'il appelle. Welcome. What's up? Allô? Oui, écoute.
Oui, frère Redim, tout à fait. Bora Batel. Bengi Gaga, Aïe, Mou, la Bengi, comme la cousine de Zilangé, Otama Malamou. Maintenant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, là. Ah, mais non, c'est, non, non. Ça, moi, c'est. Ce soir, je veux pour m'endormir, je veux m'endormir. Non, mais c'est pas mon anniversaire, c'est pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. Voilà. C'est pas aujourd'hui, donc faut faire ça le jour J. Ok. D'accord. Mais Congo et Bota, faut. Mais les réservistes pour l'armée, où on peut s'inscrire pour venir. Nous sommes à la fin, je veux pas répondre. On va faire assez de live. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Ok. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Bon. Let's go.